Un, deux, un, deux, est-ce que vous m'entendez? Mais oui, vous m'entendez bien évidemment. Vous avez cru que j'allais être en retard encore. Eh bien, vous savez quoi? Moi, j'ai cru que j'allais vraiment être en retard. Parce que j'étais en train de préparer des petites choses. Si vous regardez bien sur le chat, il y a un personnage caché en bas du chat, bien évidemment, parce que c'est celui que j'attends de tout mon cœur. Mais ce que j'attendais de tout mon cœur avant, ce sont vous, les amis. Mais oui, c'est vous que j'attendais, mes petites Madeleines, mon David, Raphaël Farmer qui est partout en fait. Il est partout. Il est partout. Mon David, évidemment. Voilà mon hotmail. Je crois l'avoir vu passer. Maël, Cobaye, Lendil, Crapouillette, Jess Linkin, mon petit Oiflo. Il est partout aussi. Nimeko, il est partout aussi. Vous me rendez ouf. Mais oui, les amis, bienvenue pour ce blabla game. Un gros blabla game dédié au State of Play en très très bonne compagnie puisque je suis avec les mousquetaires. Bon, je viens de trouver ça comme ça, vu qu'ils sont trois. Faut trouver un truc, la France, les mousquetaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis avec Nimeko. Comment ça va, mon Nimeko? Coucou, ça va super. Très content d'être là ce soir. Merci pour l'invitation pour parler de ce State of Play. Et très heureux de revenir sur ta chaîne. Bah moi aussi je suis contente parce que c'est ce qu'on se disait, ça faisait 87 ouais. ans, voilà, hier ça a fait voilà 87 ans, donc on est très contents, je suis très très contente de t'avoir ce soir mon Nimeko. On a également petit Wayflow, comment tu vas mon petit O? Bah ça va super Carole, encore merci pour l'invitation, je suis très content de revoir Nimeko aussi, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, donc salut au chat et très hâte de débattre sur ce State of Play, nos attentes. Et oui, ça va être un gros blabla game. Mon Captain Ichiro qui est là, qui est voilà, l'équipe de choc, mais tu es là, donc l'équipe est complète, mon Captain. Bienvenue à toi aussi. Et évidemment, vous le connaissez tous sous le nom de Raph, mais c'est le beau gosse du YouTube game. Il est là, bien évidemment, et il est là pour longtemps. Comment ça va, mon Raph? Ça va très bien. Moi, ce que j'entends, c'est que Ptio est content de voir Nimeko, mais pas moi. Bah, je suis un peu blessé quand même. C'est un peu ce que je me suis dit sur le coup. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un truc, mais non, Ptio. Alors, donc, justifie-toi, vas-y, c'est à toi. Justifie-toi, Ptio. Tu sais ce que je pense de toi déjà, c'est que Nimeko, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Voilà. Ouais. Voilà, bon. Bien rattrapé. Voilà, bien la rattrapance, la rattrapance, bien évidemment. En tout cas, je suis ravie de vous avoir tous les trois. Commencez pas à vous disputer. Je suis ravie de vous avoir tous les trois. Et d'ailleurs, regardez, j'ai tout prévu ce soir. Ça veut dire, regardez, on va pouvoir faire des trucs comme ça. Je vais pouvoir mettre Nimeko en gros. Oh, Raphaël en gros. Oh, et regardez, on peut revenir sur Ptio. Et je crois que si on fait ça, on revient là. Et je crois que si on fait ça, on revient ça. Et je crois que si on appuie. Voilà. Et même, regardez, attention, vous êtes prêts. Non, parce que j'ai tout prévu. Regardez, il y a même un plein écran, oh, les amis. Pour voir leur beauté. Évidemment, leur beauté. Et bien évidemment, on aura aussi plein de belles choses à voir sur YouTube. Puisqu'on va illustrer, évidemment, tout ce qu'on va raconter. Ça va être beau, ça va être chaud. J'ai envie de dire. Oui, générique. Oh là là! Oh là là, ce rebond! Il est parfait ce rebond, hein. Franchement, ce générique de meuf, on appelle ça une virgule, hein. C'est un petit peu plus court qu'un générique. Bon, en tout cas, contente d'être avec vous, salut sur le trône, salut Geek Artiste, Mélissa qui est avec nous, ma petite Cristal aussi, Ludovic Claire. Les amis, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous le savez, un State of Play a été annoncé tout récemment, ça se tiendra demain à 23h59, pour ne pas dire minuit. On va vivre tout ça évidemment en carreau jus avec un gros pré-show, on vivra le show tous ensemble, bien évidemment. Et ce soir, on va un petit peu discuter des attentes concernant cette conférence, cette prise de parole qui va ouvrir en fait le bal des conférences de la Summer Game Fest. Et ça, c'est très cool parce qu'au début, on se disait « Ah, mais c'est pas dans la Summer Game Fest ». Si, si, ça fait partie des conférences Summer Game Fest. Donc, ça commence dès demain soir. Ça va être une très grosse période. Et c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup d'attentes. Il y a eu des leaks, il y a eu des rumeurs, etc. On va aller tout doucement, tranquillement, prendre un petit peu vos attentes dans le chat. Et ici avec moi, évidemment, on va commencer avec Nimeko. Qu'est-ce que t'attends demain soir? Alors déjà, pour recontextualiser, Sony a annoncé qu'il n'allait pas avoir d'exclus, enfin de jeux propres à eux, en tout cas hors PlayStation VR. Tout à fait. Cru. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Si je relis le programme sur le PlayStation blog, on aura 30 minutes de trailer et d'annonces dans l'univers PlayStation, des révélations palpitantes de nos partenaires, donc éditeurs tiers, effectivement, et des aperçus de plusieurs jeux en cours de développement sur le PlayStation VR 2. Voilà. Merci pour la précision, Nico. Donc voilà, donc c'est voilà, pour redescendre un peu quelques attentes qu'on pourrait avoir sur des gros titres de chez Sony. Après, comme dit, ça peut être quand même. Enfin, il peut peut-être y avoir des exclus PSVR, en tout cas propres à Sony. Ça, on ne sait pas trop. C'est pas très clair dans l'intitulé. Mais sinon, en termes d'attente, de ce qu'on peut savoir, oui, comme
ça tourne beaucoup sur Internet. Il y a tout ce qui est autour de Resident Evil. Il y a beaucoup d'infos quand même qui tournent autour ah de ouais ça. Raconte-moi. S'il te plaît. Bah, que ce soit sur le 4 qui est en remake ou même du dernier épisode en VR, ça, c'est des choses qui sont très probables, honnêtement, qui peuvent tomber, je pense, que lors de la conférence. Enfin, lors du State of Play. Après, il y a aussi du Hogwarts Legacy, je pense, qui peut tomber, vu qu'ils ont un gros partenariat avec et tout. Et puis, c'est un jeu qui franchement, buzz pas mal sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Donc, je pense que Sony, s'ils communiquent dessus, ça peut marcher. Puis, Hogwarts Legacy communique tout le temps, même uniquement lors d'événements PlayStation, enfin, liés à PlayStation. Donc, je pense que ça, c'est pratiquement sûr qu'on va avoir. Après, pour d'autres attentes, je sais pas trop. Après, s'il y a Final Fantasy, je pense que le prochain, il peut être montré. En fait, il y a beaucoup de jeux japonais, honnêtement, en fait, quand tu regardes... Les partenaires PlayStation, ouais. en vérité, hein, les partenaires Play, on le sait, c'est ouais, essentiellement, effectivement, Square... On a aussi du Capcom, tu l'as dit. Ouais. On sait que ça va être surtout ça. Et franchement, pour entre guillemets la joie de plein de gens, parce que oui, moi personnellement, je suis très Capcom. Moi aussi, FF16, j'ai envie de le voir. Normalement, c'est prêt là. Hein. Donc on devrait. Bah oui, parce que depuis le temps qu'ils en parlent, on n'a pas vu grand-chose. Donc oui, et puis en plus, le jeu est censé en tout cas sortir bientôt, dans une fenêtre assez proche, honnêtement. Donc le jeu doit être quand même très très avancé. Donc même si sort pas cette année, au moins montrer pas mal de gameplay ou vraiment plus que des notes d'attention comme on a déjà eu. Donc voilà, vraiment centré sur beaucoup de jeux. Alors après, 30 minutes, c'est court et long en même temps, ça dépend bien sûr combien ils ont de jeux à montrer. S'il y a beaucoup de jeux indépendants, beaucoup de jeux tiers, après ça peut aller très vite. Parce que je pense qu'il y aura quand même un gros focus sur le PSVR 2. Oui. Donc si on dit qu'il y a au moins 15 minutes, une bonne moitié, voilà, c'est... au final, il reste très peu de temps pour quand même des grosses annonces. Donc honnêtement, j'attends pas grand-chose, parce que j'ai pas envie d'être trop déçu, mais c'est vrai que quand on regarde déjà dans tous ceux que j'ai cités, c'est quand même des gros titres, quand même, c'est des titres qu'on parle depuis longtemps, donc même si on n'en voit qu'un déjà, ça sera déjà une grosse conférence, si on en voit déjà. Alors bien sûr, faut pas nous montrer des cinématiques, faut montrer du gameplay, du jeu, des choses qui tournent vraiment. Tu veux que ça mette des coups, quoi, hein. Tu veux que ce soit... On est totalement d'accord. Ça, c'est vraiment tes attentes à toi. C'est-à-dire que toi, vraiment, tu te dis, bon, il peut y avoir du Capcom, il peut y avoir... Enfin, il y aura du Capcom, on en est sûr. Après, j'ai des attentes un peu fantasmées, mais c'est pas trop... Moi, mon Final Fantasy préféré, c'est FF9, donc je rêverais d'un remake du 9, par exemple, mais je pense pas qu'il y aura ce genre de choses. Non, mais t'inquiète pas, il y aura une partie, comme dans chacun des Blabla Games qu'on fait, il y aura une partie, ma wishlist, quoi. Donc, t'inquiète pas. Après, il y a un truc que... Je sais pas quand est-ce qu'ils communiqueront, mais moi je suis ultra fan des jeux de Fumito Ueda. Oui. Donc l'ancienne Team Ico, maintenant qui est Gem Design. C'est ça. Shadow of the Colossus, etc. Shadow of the Colossus, Ico et The Last Guardian dernièrement. Maintenant on sait qu'ils se sont un peu séparés et qu'il y a Epic Games qui est rentré dans la danse et qui leur donne de l'argent derrière. Donc, mais depuis 2014, du coup, il n'y a rien eu et on sait qu'ils sont en train de faire un jeu. L'année dernière, ils avaient teasé. Avec une bannière, ils avaient écrit 2021, et dans chaque chiffre, finalement, il y avait un de leurs jeux, et donc, du coup, dans le 2, il y avait Ico, dans le 0, il y avait Shadow of the Colossus, etc. Et dans le 1, il y avait, du coup, un artwork de leur prochain titre. Qui faisait donc, un peu penser à Shadow of the Colossus, hein, si vrai. Je ne m'abuse. Oui, en fait, ça mélangeait un peu tout, parce que même le niveau vestimentaire, ça ressemblait beaucoup à Ico, il y avait un genre de tabard et tout, le personnage. Il avait même des cornes, je crois. Enfin, du coup, j'attends beaucoup ce titre-là, et vu qu'ils sont très proches quand même, c'est un studio japonais, c'est quand même la culture PlayStation, notamment ce studio, même si derrière Epic les aide, je pense qu'il peut y avoir des rapprochements, donc là aussi c'est un peu un rêve de les voir, mais j'aimerais bien aussi peut-être une note d'attention, quelque chose, lors d'une annonce depuis le temps. Depuis 2014, on n'a rien eu, donc ça par contre c'est le titre que j'attends peut-être le plus, s'il devrait y avoir un jeu, j'aimerais bien voir ça. Mais sinon voilà, ça c'est des titres. Si on les voit, ce serait déjà génial, tu vois. Mais bon, non, voilà. Non, mais je comprends totalement. Mais voilà, moi, c'est ça ce que je voulais avoir pour entamer un petit peu le débat. C'est effectivement... Alors, je vois beaucoup dans le chat passer du FF16, oui, du Silent Hill. On va parler sur le 31 de Silent Hill Remake. Puisque effectivement, hein, Geoff Keighley a annoncé les partenaires de la Summer Game Fest. Et on a vu passer Bloober Team. Moi, je pense qu'il est très possible qu'on ait une annonce de Silent Hill 2 Remake. Mais peut-être pas forcément demain. Mais on verra, on va en reparler.
Captain Ichiro, question pour Carlo Quinten. Si RE4 Remake est annoncé, avez-vous prévenu les voisins de ne pas appeler la police si vous hurlez à la mort? Les voisins sont prévenus, hein, bien évidemment. Ils ont préféré aller s'installer à côté d'un aéroport. Ils ont dit que ça faisait moins de bruit. Tout le monde est prévenu. Donc, on a du Fumito Ueda, t'aimerais bien du FF16 éventuellement. Oui. Et du Resident Evil. Petit Yo, qu'est-ce que t'attends, toi? Ah, c'est compliqué parce que c'est, on sait que c'est des, le c'est state compliqué of play, parce c'est... que j'aime pas les jeux vidéo. Moi aussi, j'adore les jeux vidéo. C'est une, mais c'est une non, mais c'est, le fait de c'est compliqué, c'est que c'est un state of play et on connaît les state of play, on, faut pas s'enflammer, on sait qu'il va pas y avoir des trucs oufissimes dans tout de, pendant 30 minutes. Va y avoir des jeux qu'on a déjà vus, c'est sûr, ils vont nous remontrer peut-être du Hogwarts Legacy comme disait Nimeko, peut-être le remake de Resident Evil 4 aussi, ça peut être super sympa. Après, c'est vrai que moi, j'attends des surprises. Pourquoi pas des petites surprises d'éditeurs tiers qui vont venir comme ça, avec peut-être des nouveaux partenariats. Ça peut être... on verra, mais c'est compliqué, ouais. Parce que moi, j'ai toujours été hypé pour les state of play, mais en fin de compte, à chaque fois que je me hypais, j'étais tout le temps déçu. S'il n'y avait pas ce que je voulais, donc là, j'ai plus envie de me hyper. Oui, t'es un peu peur de ça, ouais. Voilà, je vais laisser faire les choses. J'espère qu'il va y avoir du Hogwarts Legacy parce que c'est vraiment le jeu que j'attends vraiment en cette fin d'année. C'est celui-là que j'attends vraiment, que j'ai envie d'avoir tout de suite manette en main. Mais sinon, le reste, surprenez-moi. Voilà. Mais je sais que c'est un state of play, c'est pas leur grosse conférence où ils m'ont envoyé du lourd, lourd, lourd. Mais aussi, peut-être hyper aussi par le. Horizon Call of Mountain. Tout à fait, qui a été confirmé d'ailleurs, hein, je le rappelle. Ils vont montrer du gameplay. Donc voilà. D'accord, donc toi c'est vraiment Horizon, mais tu veux pas trop forcément te hyper pour le moment parce que tu veux pas être déçu, et ce que je comprends totalement. Donc pour toi, il va pas y avoir des trucs de fou dans ce state of play. Pour toi, ils veulent pas justement, ils ont pas annoncé ce state of play en amont de tout pour un petit peu couper l'herbe sous le pied des autres. Pour toi, c'est oui, il faut pas s'attendre non plus à un truc de fou. Ah, sachant c'est intéressant pas... ce que tu dis, hein. Sachant qu'il n'y a pas de PlayStation Studio qui va être montré, on sent qu'ils vont garder vraiment les PlayStation Studio, leurs jeux à eux, pour la grosse conférence, d'après les rumeurs, au mois de septembre. Mm-hmm. Pour moi, ouais. Ça serait ça. Là, ils veulent juste montrer qu'ils sont ici, par rapport aussi peut-être à Geoff Keighley qui leur a demandé de venir pour montrer quelques jeux. Mais je pense que PlayStation ne va pas envoyer du lourd dans ce state of play. Il va peut-être y avoir des petites surprises, comme le FF16. On sait que FF16... va prendre le devant par rapport à Forspoken qui va être peut-être repoussé à plus tard. Parce que, à mon avis, Forspoken pour eux n'est pas encore mis à jour, pas assez bien pour être présenté tout de suite du côté de chez PlayStation. Donc ils vont mettre FF16 peut-être en avant. Donc on sait qu'il y a des éditeurs tiers. Donc pourquoi pas FF16 qui va être, on va dire, le clou du spectacle pour ce State of Play. Parce que tout le monde l'attend. Et je pense que pour moi, il va y avoir du Hogwarts Legacy et du jeu PSVR 2. Ouais. D'accord, ok, bah ça on sait qu'effectivement il y aura toute une partie dédiée au PSVR 2 et on a hâte d'en voir davantage. Je pense que ça peut faire du très très mal, hein, le PSVR 2, et notamment avec ce Call of the Mountain qui a été confirmé, hein, pour demain soir. Horizon, une grosse licence pour PlayStation. Ok, pour tes attentes, c'est bien parce que c'est un peu mesuré par rapport à moi qui est complètement en folie. Ça n'est pas très grave, on va se calmer. Calme-toi, Carole. Calmez-vous, Christine. Et merci aux nouveaux, aux arrivants. Merci d'être là, les amis. On a Jess Linkin qui dit « Vu le nouveau format de communication, ils peuvent annoncer de grosses choses quand ils veulent. Plus besoin d'attendre les gros événements. » Clairement, tout le monde peut annoncer ce qu'il veut, quand il veut. Pas besoin d'attendre, effectivement, les grosses concentrations, effectivement, d'éditeurs, etc. Comme c'était le cas pour le 3 ou la Summer Game Fest. Trois lignes BDM qui dit « J'ai mis le pouce vers le bas, ça passe ou pas, tu vas te calmer. » Très très vite et bienvenue à toi quand même. Bon, Raph, le moment est venu de nous dire que t'attends FF16, mais tu as le droit de dire autre chose. non mais comme toi je vais te démesurer. Non mais écoute, franchement, déjà j'espère des beaux gosses dans cette conférence. Déjà c'est la base. Donc évidemment FF16, c'est ce que j'attends le plus. Non mais franchement, le trailer il est prêt, on le sait, ça fait un moment. Donc il est temps de le balancer parce que bon, ça fait un bail. Oui, donc j'ai envie de le voir. Le trailer est prêt. Voir mon FF16.
Et en plus de ça, il y a des théories super intéressantes à propos de FF16. Une théorie que je trouve super cool, c'est qu'en fait, apparemment avec FF16, peut-être hein, que ça va casser un peu les codes FF. Déjà, on le voit qu'ils reportent un peu vers les sources de FF, le côté médiéval fantasy, etc. Mais on sent aussi l'inspiration de The Witcher dans le trailer, dans le long trailer que vous avez montré la dernière fois. Et Oui. là, il y a des gens qui disent que c'est possible que ce sera un jeu un peu plus solo qu'avec une partie, en fait. C'est-à-dire que tu n'auras pas des compagnons avec toi tout le temps. Que ce serait peut-être plus axé sur une expérience juste avec un seul personnage, un peu comme Geralt dans The Witcher. Donc ça pourrait être assez sympa. Perso, je ne suis pas trop sûr comment je réagirais à ça parce que j'aime beaucoup les FF avec les compagnons avec toi quand tu vas dans ton aventure, un peu comme dans FF15 Oui. avec les beaux mecs qui voyageaient ensemble. Moi j'adorais. C'était trop Évidemment, c'est cool. important. Non, mais il faut le savoir. C'est important, c'est important. Voilà. Mais en même temps, ce FF, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment casser un peu ben, le rythme, la tradition FF, et en même temps ne pas perdre leurs racines, donc le côté médiéval fantasy, mais ensuite ben, une nouvelle structure, un gameplay un peu plus action RPG, on l'a vu un peu dans le trailer. Après, ça a pu changer entre-temps, ça fait quand même un bail qu'on n'a pas vu de FF. Mais avec les gens qui bossent dessus en ce moment, il y a un mec, je crois, qui bossait d'abord chez Capcom, qui a bossé chez Devil May Cry 5, je crois. Et sur le gameplay de Devil May Cry 5, et là, il bosse il est sur le staff de FF16. Donc du coup, il y a des gens qui disent que peut-être ce qui va ajouter à ça, c'est justement ce côté un peu plus solo. Donc j'ai hâte de voir un peu plus. J'espère que ce trailer qu'ils vont nous montrer, déjà, c'est pas que du cinématique CGI. Parce que ça, je Ça supporte rend pas plus. les coups, on est d'accord. J'en peux plus de ça. Je comprends, c'est envoyer le concept et l'idée et tout, c'est cool, c'est super, c'est sympa. Mais là, je vais voir du gameplay in-engine et voir qu'est-ce que ça va donner. Donc FF16, c'est vraiment ma plus grosse attente avec Hogwarts Legacy. Hein. Je crois que je suis un peu comme tout le monde. Hein, Hogwarts Legacy, c'est un des jeux que j'attends le plus de cette année. Moi, j'adore Harry Potter. Je suis un gros, 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 gros fan. Ouais. Et là, pour le coup, je sens que ça va être le jeu Harry Potter que j'attendais depuis très, très longtemps. Donc, j'ai hâte de voir Hogwarts Legacy. Ensuite, je vais aussi dire pour ceux qui attendent, bon, je sais que peut-être c'est une minorité, hein, mais je vais quand même le dire, Star Ocean The Divine Force, qui est un Oui. JRPG qui refait son retour. Malheureusement, il n'y aura pas de Star Ocean au State of Play. Ils ont déjà annoncé la couleur, ils ont dit que non, ce ne sera pas au State of Play, mais plus tard, pendant la Summer Game Fest, on aura du Star Ocean, plus tard en juin, ils ont dit. Donc, malheureusement, pas de Star Ocean, mais en tout cas, si on peut avoir Hogwarts Legacy et FF16, alors moi, je serais très, très, très content. Après, pour le PSVR 2, je vais dire un truc. Moi, perso, le VR, j'adore, je kiffe. Mais pour l'instant, j'ai jamais rien vu dans le VR qui m'a donné envie d'aller acheter Même pas un petit le Resident matos. Evil village en réalité virtuelle? Ah oui, Village, oui. Écoute, tu sais quoi, Village, ouais, Ah, il avait ça oublié pourrait... Resident Evil! Ah, Comment tu oses sur cette mon... chaîne? Non, en plus, Resident Evil Village, c'est celui que j'aime le plus pour l'instant, avec mon beau Ethan. Dans ma tête, c'est un beau gosse, hein, Et donc t'as pas il est fait le très beau 7 dans en ma tête. VR? Ah, Non, j'ai jamais fait le Tio, 7, non, ouais. j'ai jamais fait. T'as pas fait le J'ai jamais 7 fait le qu'il 7. faudrait? Il faudrait, oui, parce que c'est Ethan, donc peut-être que je le ferai. Mais Celui qu'on déjà, déteste pour... tous le plus, c'est Ah celui que non, Raph comment y préfère. oses-tu? Non, non, moi j'adore Ethan. Non, non. Non, Ethan, il est extra. Hein. Non, non, je refuse d'entendre du mal de mon Ethan. Hein. Oh, le pauvre, Ethan, c'est comme ils non, disent en français. mais. Non, non, mais il est trop beau. En plus, Ethan! il est trop gentil et il est adorable. Bref, pour RE Village, c'est surtout si jamais il y a des DLC, je serais très content. DLC Village, parce que c'est Voilà. le RE. Avec RE2, Resident Evil 2, c'est celui que j'ai plus kiffé. Donc du coup, je serais très content de revoir RE Village et très content de retourner dans RE Village surtout. Et après, si jamais il y a du VR Village, ben là, pour le coup, peut-être, ça pourrait m'intéresser. Après, ça dépendra du prix, hein, du PSVR 2. Franchement, c'est pas donné, quoi. Donc, surtout les matos VR. Donc, si c'est un bon prix, pourquoi pas? Après, moi, je te dis un truc pour les PSVR, enfin, pour les jeux VR, moi, ce que je veux surtout. Et je sais, c'est un peu trop demandé pour l'instant. C'est peut-être too much et too soon. C'est trop demandé trop tôt, mais, j'aimerais plutôt un RPG en VR, ça je kifferais de ouf en fait. Un jeu qui me mettrait dans un univers avec une histoire assez longue, hein, pas juste une expérience d'une heure, mais plus une grosse durée. Bah, ça je kifferais plus. Tu vois, si tu me dis, il y a un Final Fantasy VR avec une vraie histoire FF dedans, ou un Dragon Age VR et tout avec une vraie histoire, mais là pour le coup je serais plus intéressé. Je suis curieux avec le VR, j'aime beaucoup la VR. Vraiment pour moi c'est un des futurs du jeu vidéo, je Tout à pense. fait. C'est l'un des Mais visages futurs du jeu vidéo, ça c'est c'est l'un sûr. des Ouais, visages ouais, futurs, ça je suis d'accord, absolument. C'est le rêve quasiment, tu sais, c'est le rêve de Ready Player One,
Oui, et tout ça, ce genre de délire, on en rêve tous, hein, si tu es fan de jeux vidéo. Tu rêverais de pouvoir t'immerser comme ça dans un jeu. Donc ça, je le sais, c'est un des futurs, mais pour l'instant, vraiment, il n'y a rien qui m'a fait genre, ah, il faut absolument que je la VR, tu vois. Mais je suis quand même curieux, donc je suis curieux de voir ça. Mais ce n'est pas le truc qui me rappelle le plus pour le State of Play. Vraiment, moi, c'est surtout FF16, Hogwarts Legacy, et pour le coup, RE Village. Et s'il y a évidemment RE4 Remake, là, évidemment, ce sera l'occasion pour moi de le faire parce que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc ça pourrait être super sympa. Ça, c'est de très Voilà. très belles attentes et tu n'as jamais fait R4 VR. Nous te pardonnons au Fermez. nom de Capcom, d'Ethan et de Chris Redfield. Bien évidemment, j'ai mis Ethan hein, pour Merci. te faire plaisir. Bien sûr. Alors, je regarde un petit peu effectivement hein, sur le chat. J'ai vraiment l'impression, la fille qui veut voir juste ce qu'elle veut, hein, que vous attendez beaucoup Resident Evil, bien évidemment. Donc, on ne va parler que de ça. Non, je plaisante. On ne va pas parler que de ça. Mais moi, je n'ai pas dit mes attentes encore. Attendez, je mets un peu de jazz. Bon, j'attends du Resident Evil, évidemment. Pour cette soirée, je le dis très très fort. Et d'ailleurs, je vois d'ailleurs sur le chat David qui dit Ethan a la tête de Cloud. C'est pour ça, peut-être que dans la Oui, tête voilà, de dans ma tête. Raph, il a la tête de C'est Cloud, un c'est un blond, beau hein. gosse. Non, mais Ethan, c'est un blond, hein. C'est un blond, Ethan. Donc, du coup, automatiquement, beau gosse, bon, oui, il a une tête de Cloud, évidemment. Salut Crixus qui nous dit coucou vivement demain soir. Je suis bouillant. Alors, moi, je suis bouillante parce que je suis à peu près certaine, et c'est ce que je vous dis dans mon Resident Evil le Mac depuis longtemps, que nous allons avoir du Resident Evil 4 demain, et ça vraiment je mets ma main à couper, je pense qu'on va aussi avoir les DLC, et vraiment j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Koba, merci à toi pour ton super chat. Coucou Carole, un teaser sur Final Fantasy 7 Remake partie 2, vous y croyez? Bonne soirée à toi Koba, merci ah d'être oui, là, je n'y crois pas du tout, parce que je pense que Square, effectivement, moi ce que j'imagine, je pense que Forspoken va être décalé, et qu'on va avoir du FF16, une belle com sur FF16, et qu'ils vont pas communiquer sur deux FF en même temps, mais c'est vrai qu'on l'attend avec impatience. Captain qui dit cette transition forcée, on dirait que tu parles de Zelda. Écoute, peut-être que demain, on aura un gameplay de Zelda Breath of the Wild 2, c'est la meuf qui n'y a rien compris aux jeux vidéo. Toujours est-il que moi, je l'attends comme une tarée, effectivement. Alors, les DLC, j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer. En revanche, RE4... RE4 Remake, je l'attends et à la fois j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Parce que pour moi, RE4, c'est le meilleur des Resident Evil. Et je me dis, bon, ok, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Est-ce que ça va être à la hauteur ou est-ce que je vais avoir une petite déception? Comme pour RE3, je rappelle que RE3 Remake avait été quand même amputé d'une grosse partie. RE4, c'est un jeu beaucoup plus dense que RE3. J'espère qu'ils l'auront pas coupé, mais moi, je suis sûre certaine qu'on va voir et les DLC. Et je vais même aller plus loin, je suis même certaine qu'on va voir la version VR de Resident Evil Village en réalité virtuelle, parce qu'on va évoquer le PlayStation VR 2. Et je suis sûre que Capcom attend le PlayStation VR 2 pour nous mettre la réalité virtuelle. Je suis sûre, en vrai, je suis sûre que demain, Capcom va être très, très présent. Il peut et y avoir je aussi RE4 VR aussi. Nimeko, ouais, dis-moi. Oui, oui. Bah, alors, le problème, c'est que RE4 VR est sorti en exclu sur le Quest. C'est vrai, enfin, c'est le Quest qui s'appelle plus le Quest 2, mais qui s'appelle le... Comment il s'appelle déjà? Oh, Zuckerberg, là. Comment c'est... Le Meta. Voilà, Meta. Ah, Meta, oui. Le mec, là. Voilà. C'est, du coup, c'est exclu temporaire ou tout le temps? Je crois que c'est une véritable exclue, puisqu'en plus, c'est pas Capcom hein, qui a développé, c'est Armature. Je vais regarder pour être sûr, parce pour pas vous dire de bêtises. Parce que d'après le retour, il était bien, le portage. Il est très très bon, j'ai joué 2 heures, j'ai fait une vidéo de 2 heures. J'ai pas pu me remettre dessus, mais je pense que actuellement Quest 2, je pense qu'actuellement, c'est la meilleure version de RE4. Voilà. Exclusivement sur Oculus Quest 2. Quid des exclus. Tac, 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 tac. Pour l'instant, une date de sortie. R4 VR. Qu'est-ce Alors après, est-ce que c'est une exclu PC et il peut quand même faire une petite sortie? Non, mais sur c'est ça qu'il faut regarder. Via donc. Le PSVR, ouais. Nous savons la nave. Donc, c'était sorti en octobre. C'est vrai que ça a marché. Octobre, c'est un nouveau mois. Octobre. Ça a bien marché, hein. Oui. Intégrale en VR, vous pouvez nanana 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 nanana. Je vois pas. Il faudrait que je recherche un article qui puisse me le donner, qui puisse. Mais déjà, ça montre que voilà, Resident et la VR, ils aiment ça. Déjà, c'est fait ah déjà bah deux titres qui sortent en VR. Ils sont très réalité virtuelle et j'ai envie de dire qu'avec les derniers, Resident Evil, évidemment ça que. Encore plus. Ouais, voilà, avec la Et en la plus, vue à la c'est première les jeux personne. D'horreur, donc, et on sait que, d'après ce que j'avais vu, ils veulent aller dans le next level du jeu d'horreur, faire vraiment peur aux gens.
Et franchement, la VR, c'est ce qui, c'est une bonne façon de faire peur aux gens. Hein. Mmh. Si les jumpscares et tout en VR, j'imagine que ça va être encore pire que dans sur une télé, etc. Déjà, moi, je crie quand je joue à Village. Alors, j'imagine pas si j'avais le casque sur la tête avec des trucs qui apparaissent comme ça par hasard. Donc, on parle toujours de Pity, mais imaginez Pity en VR, ça aurait été. Ah non, mais c'est. Ah, ouais, c'est vrai. C'est fantastique. Et même Resident Evil 4, qui est pas forcément le Resident Evil le plus effrayant. C'est plus action, non, c'est ça ? RE4, c'est plus action. C'est un petit peu plus action, effectivement. Je vais vous mettre un petit peu des images. Alors ça, c'est la version HD hein, qui avait été développée effectivement par des fans à laquelle j'ai pu jouer, qui était magnifique avec plein de petits détails en plus. C'est pas forcément celui qui fait le plus peur. Néanmoins, il est très impressionnant et quand t'imagines effectivement... Il a une très très bonne ambiance, en fait. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Une très bonne ambiance avec bah, quand tu es dans le village, le château, quand tu rencontres mais les comparé, gigantes... RE2, par exemple. Pour moi, j'ai toujours cru que les fans adoraient RE2, c'était le meilleur RE, mais très souvent, j'entends maintenant que c'est RE4 qui est le préféré de beaucoup de gens, de beaucoup de fans. Bah, c'est quoi la différence d'ambiance de RE2, pour quelqu'un qui n'a pas joué, hein, donc je demande, entre RE2 et RE4, c'est quoi qui fait que RE4 est un cran au-dessus, en fait, pour vous? Alors pour moi, je vais laisser répondre, effectivement, aussi sur le chat, hein, si vous voulez répondre, et puis aussi Nimeco, Ptio, si vous voulez répondre. Tu constateras que les premiers RE étaient très bons. Moi, c'est vraiment mes préférés, le 1, le 2 et même le 3, même si on prend un virage véritablement action avec un... Avec un Nemesis qui te poursuit partout. Et bisous à mon Nas qui dit j'attends Zelda sur PS5. Évidemment, Nas, avec l'Unreal Engine 5, bien sûr, j'en rajoute une couche. Néanmoins, RE4, il y a vraiment une dimension. Déjà, c'est un jeu beaucoup plus dense, beaucoup plus. Il y a une dimension beaucoup plus folle. C'est le dernier jeu de Shinji Mikami hein, avant de quitter Capcom. Donc là, il a tout donné. Il a pris un virage qui est beaucoup plus action avec la caméra à l'épaule. Il y avait plein de changements. Hein. C'était un jeu résolument beaucoup plus. Plus actuel, plus action, plus dynamique. Et tu avais, tu avais vraiment une densité dans le jeu, c'est-à-dire que tu commences dans un village, après tu arrives dans un château, ensuite tu vas dans des mines, ensuite tu arrives sur une île. C'est quoi cette pub ? Ça va pas ou quoi ? Sur ma chaîne ? pour aller acheter des fringues en plus ? Ça va pas ? Acheter des jeux, c'est mieux. Donc il y a vraiment une dimension en termes de scénario. Je trouve que par rapport aux deux, c'est un petit peu plus complexe, c'est un peu entre guillemets un peu amélioré. Alors attention, ça casse pas des briques, hein, c'est du Resident Evil, mais tu dois retrouver la fille du président Ashley Graham, tu fais face à une secte Los Illuminados, voilà, dans un coin reculé de l'Europe. Et il y a vraiment, je trouve, une ambiance complètement folle en termes de gameplay. Ça va plus loin. Tu as beaucoup de différences aussi par rapport aux deux, c'est-à-dire que tu gères ton inventaire directement à travers une mallette, donc il y a cette espèce de puzzle Tetris, ce jeu dans le jeu. C'est beaucoup plus action, tu vas avoir cette dimension, alors attention, pas RPG, mais quelque part tu vas améliorer tes armes, donc tu vas améliorer Léon au fur et à mesure, puisque ces armes vont être améliorées, tu vas améliorer la cadence de tir, tu vas améliorer le nombre de munitions, c'est vrai qu'il y a cette dimension-là qui fait que le jeu, je trouve, dans son gameplay, est beaucoup plus riche dans l'histoire, dans la réalisation, dans le rythme, etc. etc. Nimeco, Ptio, peut-être que vous voulez aussi donner votre avis sur la question. Oui, t'as pratiquement tout résumé. C'est vrai que c'est ce que je disais, c'est que c'est en fait c'est partie des meilleures transitions que Resident Evil a eu après les premiers. Là, il y a eu une grosse cassure. En plus, quand il est sorti visuellement à l'époque, c'était une claque. C'était impressionnant, en fait. Niveau ambiance, comme tu l'as dit, même niveau mise en scène, il y avait un cran au-dessus. C'était beaucoup plus... Enfin, c'est beaucoup plus cinématographique, même si ça l'était déjà un petit peu avant. Mais là, ça a vraiment step up. En plus, niveau ambiance, ça a tout cassé. Ça n'avait rien à voir avant, où on était vraiment essentiellement de nuit, en ville. Enfin, tu vois. Là, et puis, il y avait le côté manoir. Là, du coup, il y a un peu moins. Enfin, tu vois, en fait, ils ont cassé beaucoup de choses d'un coup, en gardant quand même quelque chose qui était vraiment original et vraiment fort. Et puis, comme je te dis, il y a aussi le côté claque graphique à l'époque qui était vraiment très, 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 très marqué. Et du coup, c'est un jeu qui, au-delà de ça, attiré par sa patte visuelle. C'était une révolution à l'époque, non ? C'est ça, quand il y a Capcom, c'était une révolution. C'était partie des plus beaux jeux. Ouais. Et le truc, c'est qu'après, du coup, ils ont fait le virage un peu action. Oui. Oui, vas-y, parce que je me disais que c'était Nimeco, j'ai vu ouvrir la bouche et je me suis dit « Ah non, c'est Nimeco, vas-y, c'est pas la même voix, vas-y. » Et c'est vrai qu'après, du coup, on retient celui-là, parce qu'après, il y a eu l'autre cassure avec RE5 et 6, qui ont là, pour coup, vraiment déçu, parce que du coup, ça a pris encore un autre virage qui a moins plu. Plus action. Et après, on connaît avec RE7 et,
et 8 qui, là, ils ont pris un autre virage qui est replay maintenant. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on retient beaucoup cet épisode, parce qu'il y a eu beaucoup de choses d'un coup qui ont vraiment plu. Et voilà, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça que... Et RE Village, j'ai un côté. Quand tu montrais les images, là, Caro, tu parles. Oui, voilà, il y a un côté RE4 dans RE Village. C'est hyper inspiré. Ouais. Pour moi, ils ont préparé les assets. Hein. Je le dis honnêtement, pour moi, Resident Evil Village, c'est RE4 en vue subjective. Excusez-moi si ce débat part totalement sur des Resident Evil, mais enfin, je veux dire, il faut parler des choses essentielles, c'est important. Vous inquiétez pas, on parlera des autres choses, bien évidemment. C'est l'actualité. C'est un mélange pour moi. Pour moi, RE8, c'est un mélange du 4 et du 7. C'est un regroupement qui t'a fait faire le qui fait le 8 en fait. C'est tu retrouves vraiment ce que tu trouves dans le 7 au niveau de des frissons quand tu rentres, je sais pas, dans le dans la maison un peu comment elle s'appelle? Beneviento. Beneviento, voilà. Mm-hmm. Là on a côté vraiment 7 et le côté 4 on le retrouve quand t'es dans le château, quand tu vas dans la mine, dans l'usine, tu retrouves tout ça en fait, et c'est vraiment un mélange qui a regroupé pour faire ce 8. Et c'est pour ça que c'est les. Pour moi, c'était vraiment les deux meilleurs, c'était le 4 et le 7. Après, le 2, le 2, je l'ai fait en remake, j'ai vraiment adoré le 2 en remake. Et je l'ai trouvé sublime. T'as peut-être pas l'affect de l'époque, c'est pour ça. Ouais, après, j'ai moins aimé, mais j'ai plus aimé parce qu'on était plus libre au niveau du 4 et du 7, je trouve. Par rapport au 2 où t'étais plus dans un commissariat. Et voilà, c'était pas la même chose. Moi, ça me fait penser un peu à Nimeco. Evil Rising. C'est un peu le même gameplay, honnêtement. Enfin, ça ressemble un peu. Ah bah, c'est Mikami, hein. Oui, c'est totalement Mikami. Là, je vous mets des images de notre... Putain, on avait streamé pendant des jours et des jours. C'est ça. Vraiment pas mal de diversité dans les environnements, même la façon d'agencer les niveaux et tout. C'est vrai que c'est limite une suite spirituelle à RE4, en tout cas dans les mécaniques et dans la façon de... appréhender le jeu, quoi. Je sais pas si tu l'as fait, toi, Raphaël, les Evil Rising, mais c'est... Tu les as pas fait, non, je j'ai jamais crois... fait. En fait, ouais. C'est marrant, en fait, c'est les jeux d'horreur, c'est pas trop mon truc. C'est à cause de Caro, encore une fois, que j'ai essayé Village, parce que... Grâce à vous. Fait... C'est grâce à toi, en fait, parce que toi et Julien, vous faisiez des vidéos sur Village avant que ça sorte, et ça m'a donné super envie, la façon dont vous parliez de Resident Evil, de ce village-là, avec... vous rodiez la map, vous analysez les trucs... Et ça m'a donné super envie, donc du coup j'ai essayé et j'ai adoré, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé Village. Et là pour le coup pour RE4 Remake, moi je suis quelqu'un qui n'a pas joué RE4, pour le coup ce genre de remake, moi je veux le jouer sans cet a priori de « Ah oui mais l'original c'était mieux », parce qu'avec par exemple FF7, tu sais FF7 c'est la vie, donc j'ai fait l'original, je connais par cœur, je connais les lignes du dialogue par cœur, je connais tout. Et le FF7 Remake, forcément quand j'y ai joué, j'ai adoré pour beaucoup beaucoup de raisons. Et il y a des trucs que j'ai moins aimé parce que justement l'original avait fait mieux, tu vois. Donc malheureusement, j'ai ce côté. RE2. Oui, voilà. Mais RE2, moi j'ai adoré l'original et le remake. Le Léon du remake, il est super beau. Je l'adore. C'est un beau gosse. C'est un beau gosse. Donc rien que pour ça, il faut jouer. Voilà. Voilà, ça m'a aidé. Donc du coup, RE2 Remake, c'est une masterpiece. Mais. Mais là, pour RE4... Des images de RE2 Remake, évidemment. Oui, voilà. Mais, bah, oui, vas-y, mets des images de Léon. Il faut. Et, oui, il est sublime, absolument, il est sublime. S'il faut un remake, il faut qu'il soit dingue visuellement, parce que comme je te dis, c'était déjà une claque à l'époque, donc il faut qu'il nous refasse une claque, tu vois. Mais du coup, est-ce que c'est obligé, parce que c'est un remake, j'imagine, oui, évidemment, si c'est un remake, ça doit être aussi, au moins aussi bien que l'original, si ce n'est mieux, en général. Mais là, pour le coup, le remake, moi, personnellement, j'attends pas que ce soit une super révolution comme ça a pu l'être, parce que c'est très difficile, maintenant, de faire des révolutions comme ça dans le JV, ça peut arriver, on l'a vu avec Elden Ring, on l'a vu avec Breath of the Wild, etc. Mais moi, ce que j'attends surtout, c'est un truc qui va me prendre un peu comme Village l'a fait, en fait. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout jeu d'horreur, qui n'est pas trop non plus un expert en Resident Evil, je connais un peu ici et là, de loin, je sais c'est qui Chris Redfield, je sais qui c'est Léon, je sais qui est Ada, etc. Heureusement, merci. Heureusement, enfin, tu sais qui est Emmanuel Macron, bon, bah... Bon, là, c'est ça. Merci. Je connais un peu les bases, mais tu vois, pour moi, RE4, ça devrait... Pour quelqu'un qui ne connaît pas trop, j'espère vraiment que ça me donne envie d'y jouer. Non, mais déjà, imaginez Léon, un RE4 comme ça. Non, mais imaginez, Raph, imaginez un RE4 sur le chat. Tout le monde, tous ensemble. Imaginez un RE4 comme ça, là, dans le château, dans le village. Non, mais vous imaginez. Ça pourrait être cool, ouais, absolument. Je kifferais de faire sur RE4 Remake rien pour... Bah, découvrir un peu ce jeu qui vous a tant plu en tant que fan de Resident Evil. Et c'est un jeu qui a tellement compté dans le JV, donc du coup, ce sera un plaisir. Donc j'espère qu'il y aura RE4 Remake demain soir, déjà pour vous, que vous soyez contents, mais aussi pour voir un peu ce que ça donnera. Donc c'est une attente
Curieux de voir ce que ça donnerait en fait, absolument. Et Ouais. surtout s'ils vont garder le beau modèle de Léon qu'ils ont pris pour la lune. Mais voilà. Ouais, Ça, c'est ma c'est plus le grosse plus attente. important, bien évidemment. Et on a évidemment, salut Mehdi, bienvenue à toi. Évidemment, Latige qui dit ce serait incroyable. Anthony qui dit village, j'ai kiffé. Lavid qui dit Léon, leave me alone. On aimerait bien les laisser alone. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu plein de rumeurs qui racontent que bah, il va y avoir quand même quelques changements. Il y aura quelques changements, dont une Ashley un peu moins, entre guillemets, un peu moins relou, quoi. Elle pourra utiliser un gun, Ouais. se défendre. On a une session hein, dans RE4 où on l'incarne, mais elle peut pas vraiment, elle n'a pas d'armes, donc elle jette des pots en fait sur les ennemis. C'est un peu plus infiltration, un moment que je trouve très intéressant, où elle va dans les sous-sols du château, etc. Il y a des espèces de. Il y a les armures de chevaliers voilà, qui l'attaquent, il y a une espèce de puzzle aussi. Mais c'est vrai que c'est vraiment un jeu, en tout cas, qui m'a marqué. Et je suis sûre qu'on va l'avoir demain. Et voilà, on a TPMJV qui dit il est moins long, moins RE4. J'ai cru entendre qu'il était super court comparé aux autres. Ah non, il est plus long. Et Bon, plus long. dans mes souvenirs, RE4, c'est quoi? 20-25 heures. Hein. Oui, à peu près. Donc voilà. Il y a Captain qui dit un Captain, truc ouais. intéressant. Ouais, Avec vas-y. cette remake, c'est un peu différent car justement, c'est un peu une histoire parallèle. Il a totalement raison. Avec de grosses twists scénaristiques par rapport à l'original. Alors que les remakes de RE sont là pour surpasser. Ça, c'est intéressant parce que du coup, si RE4 remake changeait l'histoire, ça vous embêterait en vrai, hein, ou pas du tout. Un petit peu. Oui, de toute Alors, je façon, je sais pense pas pas que sur ça le peut chat ce changer que vous en pensez. l'histoire. Ouais, voilà. Pour moi, il faut quand même. Non, pas 10 heures RE4, David. Moi, honnêtement, c'est. Allez, je vais être gentil. C'est 15-20 heures. Tu vois, c'est vraiment un gros jeu. C'est hyper dense quand même. Resident Evil 4, c'est le plus dense et le plus ambitieux des Resident Evil pour moi. Mais oui, moi, Je dirais j'aimerais pas 20 qu'il heures. me. Bah ouais, voilà, une vingtaine d'heures. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais voilà, moi je pense que en tout cas, enfin j'espère qu'ils vont pas le raccourcir comme ça a pu être le cas D'après sur Resident Evil Internet, 3. la moyenne, parce qu'il y a un site qui permet de voir à peu près la longueur des titres Ouais. des jeux. Et donc là, RE4, c'est entre 16 et 20 heures à peu près. Juste Ouais, pour voilà. la mission principale sans faire d'annexe. Ouais, voilà. Parce que David, on te connaît, on sait que tu traces. Avec son Non, couteau, mais il David, trace. il trace, donc on Ou connaît. Mais 16-20 heures, le problème. voilà. Donc voilà, exactement, Crystal. Plutôt 15-20 heures, effectivement, Deathstroke, voilà. Plutôt. Moi, 15 heures max, je dirais plutôt 15-20 heures max, tu vois. Tout dépend aussi la manière dont tu joues, à quel niveau de Parce que difficulté. si tu fais le 100%, ils disent 30 heures. Donc après, tu fais une moyenne. Si tu fais un peu des deux, voilà, t'es entre. Oui, voilà, tout Mathématiques est. avec Nimico, voilà. Voilà, Les exactement. 20 et 25 heures. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de chances de voir? Alors, j'imagine que vous avez tous vu un petit peu les leaks. Hein. Il y a eu plein de leaks sur ce qu'on pourrait avoir ce soir. On a eu énormément de. Alors, on a eu plein de leaks différents, hein, de fiches différentes où on voyait effectivement beaucoup de Ah Capcom, on voyait du RE4. Toujours l'image de travers sur un écran. Voilà cette fameuse Exactement. image qui pop. Est-ce que voilà, est-ce que ces leaks vous semblent cohérents justement, ou est-ce que pour vous Non. c'est bullshit? Nimeko. Non, c'est. Oui, non, Raph, je pense pas, parce que Nico. comme on disait, c'est un peu comme. C'est un peu toujours le même procédé. Et en plus, il y en a un qui sort, 10 minutes après, il y a l'autre qui sort à peu près fait la même façon, avec juste des titres qui changent. Enfin, de toute façon, après, ça se trouve, en fait, il peut s'avérer vrai, honnêtement, mais. Ça, on a toujours eu, de toute façon, à l'annonce d'une conférence ou d'un show, ou même d'été au direct, combien de fois on a eu des listes fantasmées avec tous les jeux, là, les F-Zero, les machins, on les a jamais. Ça sert à rien Ouais. de se surhyper pour ça. Ça, je pense, c'est des trucs juste pour avoir des retweets, des likes, des trucs. C'est pour. C'est D'accord, exactement toi tu n'y ça. crois pas du tout, toi aussi Raph, pour toi c'est Non, bullshit. pas du tout. Ah, peut-être qu'il y aura une liste parmi les dizaines et les dizaines qui va peut-être s'avérer vraie. C'est un peu la loi des statistiques, vraiment. Mais quand tu vois des listes avec FF9 Remake, FF Tactics Remake, FF10 Remake, etc., là, il faut quand même se dire c'est peut-être un peu trop gros pour être vrai. Tu me fais de la Donc peine quand même. voilà. Tu me fais de la Hein? peine. Tu me fais de la peine quand même, hein, parce que FF9 Mais Remake, tu sais que ça je veux sert FF9 Remake. Hein. Moi, je le veux, c'est FF9 Remake. Et je pense que ça va à arriver, hein, rien. parce que Parce qu'ils voilà. vont quand même sortir une série animée bientôt, Oui, FF9, voilà, justement. et ils Cross-média, ressortent beaucoup absolument. de figurines FF9 là, depuis très peu de temps. Oui, Ils un très refont beau donc. Vivi, d'ailleurs, qui est sorti. Donc dans ma tête, voilà, il y a de l'espoir. L'espoir fait vivre, Mais disons.
Il y a aussi ça et FF Tactics. Je sais qu'il y a des rumeurs sur FF Tactics qui pourraient sortir en remake ou remaster, je sais pas quoi. Alors ça me ferait super plaisir. Le premier FF que j'ai fait de ma vie, c'était FF Tactics. Et FF9, que pour moi, c'était un des derniers grands FF, honnêtement, avant un peu la descente aux enfers. Et puis ça remontait avec le 15, hein, voilà. C'était pas mal le 15. Non, moi j'adore le 15. Le 10, j'ai pas aimé. Tidus est beau, mais il est magnifique. Je veux dire, quand il embrasse dans le lac, là, machin, Yuna sous l'eau, tout ça, cette séquence. C'est beau, oui, visuellement c'est beau, mais l'histoire était cacaboudin quand même. Non, elle est belle, c'est tout en pèlerinage avec Yuna, Please Be To Heaven, tout ça. Bon, bref, c'est mon FF préféré, donc je le dis. C'est pour ça que j'ai dit désolé, Caro. Non, mais je me permets de couper pour dire que Captain fait une blague totalement captainesque. Il y a eu plein de liqueurs pour RE4. Magnifique. Très très joli, évidemment, choix, même si les liqueurs n'apparaissent que dans RE2, et voilà, mais ce n'est pas très grave, bien évidemment. Nous apprécions, bien évidemment, ça n'est pas très grave, bien sûr, c'est Las Plagas, hein, bien sûr, RE4, mais on aime les liqueurs et les hunters et tout ça. H. Anderson qui dit, pour moi, FF15, c'est le pire, voilà, tu as le droit de le penser. Néanmoins, on a quand même des beaux gosses. L'avantage de FIFA Fantasy, c'est que vu que chaque épisode est différent, chacun y trouve son bonheur. Oui, absolument. C'est exactement la même guerre qu'il y a avec les Zelda. Il y en a, ils vont préférer un tel. Oui, absolument. Il y en a qui vont te dire que Breath of the Wild, c'est pas un vrai Zelda. C'est bien, c'est que moi, ils se renouvellent. Ils ont tort. Ils ont tort quand ils disent ça. Moi, perso, j'ai adoré FF10. Ah. Trahison. Brutus et tout. Non, franchement. Alors, j'en profite pour dire que sur Twitter, j'ai fait un petit. Un petit sondage où je dis RE4 remake demain soir. Moi, je dis oui, voilà. Et pour l'instant, c'est oui à 45%. Je viens de le lancer. Hein. Non à 35%. Leave me alone à 20%. Ils n'ont pas compris la blague. Personne ne devrait voter pour cette phrase. Bien évidemment, le FF10, t'as pas aimé Raphaël Farmer. Autorisation de ban cet homme. Je dis juste, la raison pour laquelle ça n'a pas aidé du tout. Et je pense que c'est surtout ça. Quand j'y ai joué, malheureusement, c'est la première fois qu'on voyait FF en voice acting, et la seule version que j'avais, c'était la version anglaise. Et le voice acting anglais sur FF10, c'est une des pires voice acting ever. On se souviendra, c'est une blague sur Internet d'ailleurs, le fameux cri de Tidus et de Yuna sur la montagne ou je sais pas quoi, là, c'était une horreur totale, c'était tellement cringe. Cherchez, vous allez trouver. Ça, plus le rire de Tidus, à un moment donné, il rit nerveusement, c'est juste horrible. Après un moment de gros scène intense, il rigole, et c'est supposé être un rire un peu nerveux, un peu genre « aïe, ah, c'est un peu mauvais ». Mais la façon dont l'acteur a fait le rire, c'est juste cringe à mort. Et donc, ça n'a pas du tout aidé, ça m'a cassé du jeu, malheureusement. Après, évidemment, c'est beau, Tidus, c'est un beau gosse. Mais l'histoire, j'ai trouvé pas terrible, mais le voice acting n'a pas aidé, donc du coup, ben voilà, c'est ça. Et malheureusement, c'est pour ça que j'ai pas aimé FF10. Et après, est sorti les FF avec Lightning, qui est une horreur totale. Donc, Lightning Returns, j'ai moins aimé aussi. Ouais. Oui, le 12 était Lightning bien, il y avait un petit côté Lightning Star Wars. Le 12 était vraiment bien en termes d'univers. Mais moi, mon préféré, ça reste. Alors, j'adore le 7, j'adore le 9, j'adore le 10, mais le 10, c'est mon préféré. Mister Pixel, coucou mon Mister Pixel, qui vient achever donc notre RAF national en disant qu'il n'a jamais touché. Un seul FF, voilà, il est venu t'achever, Mister Pixel, mon Pixel, enfin voyons, pourquoi Pixel, faire cela. C'est vraiment la cible. Il faut pas faire ça, soir, Pixel. C'est la cible. Tu es la cible, voilà, la cible, et Deathstroke qui dit FF6 et 7, indétrônable, et je suis assez d'accord quand même sur la dimension des jeux, voilà, la course au Chocobo pour avoir l'épée, quel cauchemar, Big Boss, Deathstroke, question scénario, le 6 et le 7 sont tellement plus profonds, voire le 8 aussi, le 8 j'ai moins aimé, belle histoire d'amour, mais j'ai un petit peu moins aimé, chacun a bien aimé le 8, mais c'est vrai, pas moi. Passer après le 7, c'était un peu difficile quand même. C'est difficile à l'époque. En fait, c'est très mature le 8 sur certains trucs. Ouais, ouais. Complètement. Un peu plus. C'est un peu plus dense, un peu plus dark peut-être. Oui, c'est peut-être pour ça que les gens ont peut-être moins aimé dans l'absolu. Donc, on espère quand même voir du FF16 demain. Alors, il y a aussi la rumeur d'un événement Final Fantasy, donc au mois de juin, un événement spécial. Est-ce que vous pensez pas justement que Square Enix pourrait garder la surprise pour cet événement et se disent, bon, le State of Play, c'est très bien. Peut-être qu'il y aura un peu beaucoup de Capcom.
on espère, on croise les doigts, mais peut-être qu'il y aura un petit peu beaucoup de Capcom. Et finalement, si on imagine du RE quand même dans un State of Play, c'est pour ça que je pense que Silent Hill 2, on l'aura pas pendant le State of Play. Mmh. J'aurais espéré, mais je vois mal. Je vois mal quiconque soit sur un remake de Silent Hill 2 le mettre face à du Resident Evil. Mais bon, ce serait un truc de fou, tu vois. C'est comme si tu fais une conférence avec du Call of, du Battlefield, bon, peu importe. Mais effectivement, peut-être pas demain du Silent Hill, plutôt du RE. Mais est-ce que vous pensez pas que Square pourrait garder effectivement ses annonces pour une prise de parole dédiée à ce FF16, et on a Niris at War qui dit Johnny Depp a gagné le procès. Eh ben, tu sais, j'aime pas trop me prononcer sur ce genre de choses, mais je suis bien contente. Une parenthèse. Je sais que ça devait se. Ben voilà, je suis contente aussi parce que j'étais plutôt. Après, c'est très difficile de donner son avis sur des choses où t'as toujours deux versions et tu t'es pas dans le couple, tu sais pas ce qui se passe, et je trouve que c'est horrible pour eux, les pauvres, la manière dont ça s'est fait, parce que tout le monde s'est nourri un peu de leur vie privée, je trouve ça horrible. J'aurais tendance à être contente. Juste une parenthèse, j'ai suivi le procès du début et franchement, tout ce qui a été montré, c'était en défaveur je pense que ouais. Écoutez. Bon, en tout cas, il a gagné. Bah, écoutez, vous le savez, bien évidemment, ici, on n'est pas sur CNews ou BFM, mais vous savez que Johnny Depp a gagné son procès. On l'aime bien. Bonjour, on regarde bien l'info ici. C'est de l'info en direct, bien évidemment, les amis. Toujours est-il qu'on va passer, évidemment, de Johnny Depp à FF16. Est-ce que vous pensez que Square Enix, c'est quand même, on parle de la vidéo quand même, Johnny Depp peut-être au State of Play pour annoncer de nouvelles choses. Est-ce que vous pensez que Square va garder justement la surprise, finalement ce trailer qui doit être prêt, hein, vraiment, il est goldé, il est prêt, là, une éventuelle prise de parole. Raph, peut-être, tu veux dire quelque chose Truc, c'est... Moi, ça me ferait vraiment, mais vraiment, vraiment de la peine si jamais demain on a du FF16, mais ça va être genre un petit teaser CGI pour ensuite dire ah, bientôt d'autres nouvelles et là avoir leur event plus tard. Mais je pense que quand même PlayStation va peut-être vouloir un bon truc à lancer. Donc j'espère qu'il y aura FF16, vraiment, j'espère qu'il y aura FF16 demain. Mais après, ce que tu dis a totalement un sens. S'ils font un event spécial FF, évidemment qu'ils vont peut-être vouloir garder le gros morceau, un gros trailer justement pour leur event. Ça aura un beau sens. Le seul truc qui ferait me dire que peut-être qu'ils vont lancer FF16 demain, peut-être parce qu'il y aura peut-être un autre FF en production qu'ils vont montrer peut-être à l'event. Mm-hmm. Genre par exemple un FF9 remake. Et il y a des grosses rumeurs sur ça. Donc peut-être qu'ils vont peut-être annoncer ça. Ou plutôt le FF7 remake partie 2, juste en parler un peu à l'event spécial. Parce que c'est aussi les 25 ans, c'est ça, les 25 ans de FF7, je crois. Et de mémoire mathématique, je ne m'en rappelle plus. Ouais. Mais donc, peut-être que ça va être autour de ça. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je pense qu'ils vont peut-être lancer FF16 demain et ensuite garder les autres news FF pour le event spécial. Parce qu'en gros, je suis comme toi, Caro. Moi, je pense, de façon marketing, ça n'a aucun sens vraiment de faire plusieurs FF, gros FF en même temps. Si tu vas faire plusieurs FF News dans la même année, tu décales, tu peux pas tout mettre en même temps. Si tu mets FF16 en même temps que un FF9 remake ou un FF7 remake, moi je dis FF7 remake va tout bouffer. Donc oui, autant lancer FF16 séparément. C'est pour ça Forspoken va être décalé. Après, entre Forspoken et FF16. Ils veulent quand même laisser un champ libre, donc t'as complètement raison. Oui, voilà, c'est ça, laisser du champ libre. Et s'ils ont décalé Forspoken, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a très bien que FF16, ben voilà, tout le monde préfère FF16. Enfin, la majorité des gens ont préféré avoir du FF16 avant Forspoken. C'est une nouvelle licence. Pixel qui dit quelque chose d'important dans la mesure où Sony s'est payé un an d'exclu. Je pense que les accords en matière de marketing sont du côté de Sony. Donc, ça serait sûrement chez eux, je dirais. Mm. Je dirais qu'on pourrait voir quand même du FF16 demain aussi. Voilà. Complètement. Nimeco, Ptio, vous êtes assez d'accord avec ça? Moi je suis tout à fait d'accord. Après, pour les 25 ans, je serais content qu'ils aient le FF16, qu'ils ont l'exclusivité de montrer le FF16, ça serait bien pour eux. Après, je sais qu'il y en aurait qui seraient déçus pour le State of Play, mais pour eux, ça serait bien. Après, voilà. Mais sinon, je suis d'accord avec Raph. Ouais. Après, ça s'est déjà fait que des conférences se répondent l'une entre elles. C'est-à-dire que, par exemple, le State of Play va avoir la primeur de l'annonce avec une séquence qui dure 2-3 minutes, et après on a un plus gros focus de 10-15 minutes
de gameplay dans l'événement Square Enix. Ça s'est déjà fait sur des conférences. Ouais, je me souviens à l'E3 quand il y avait des fois des Assassin's Creed qui étaient annoncés. Ubisoft annonce, enfin, c'était d'abord annoncé par exemple lors d'une conférence Xbox. Tu avais Assassin's Creed Origins, je crois, qui est hop, on voit. Et après, il y a un gros focus lors de la conférence Ubi 2 jours après, tu vois. Donc, je pense qu'ils peuvent toujours faire ce genre de move, avoir la primeur de l'annonce avec une cinématique, un peu de gameplay, tac-tac, pour faire un peu plus un truc rapide et prendre leur temps sur leur conférence perso, tu vois. Ouais, c'est très possible. Après, effectivement, ils peuvent couper un petit peu la poire en deux. Hein. Rien n'est impossible. En tout cas, effectivement, c'est vrai qu'on espère quand même voir un petit peu du FF16 demain. Bah, clairement, à part au-delà de Resident Evil, il y a quand même des licences attendues et c'est clairement FF. Est-ce que vous pensez qu'on peut voir du Street Fighter 6, par exemple? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous hype dans le chat? Et vous, messieurs, est-ce que vous attendez éventuellement, effectivement, une apparition de Chris Redfield dans FF6, hein, puisque Ryu ressemble un petit peu à Chris Redfield? Qu'est-ce que vous en pensez, Tio? Je vais dire pareil que pour Final Fantasy, ça serait bien que Capcom garde ça pour eux. Parce qu'à chaque fois qu'ils prennent la parole, Capcom, il n'y a jamais grand chose. Donc là, s'ils ont Street Fighter 6, il faudrait peut-être mieux qu'ils le gardent pour eux. Après, s'ils les montrent au State of Play, bah écoute, ça serait bien. C'est la prise de parole, c'est quand même la prise de parole, entre guillemets, de PlayStation. Du Summer Game Fest. J'ai pas l'impression que PlayStation repassera par là. Donc est-ce que les partenaires devraient pas justement profiter de cette prise de parole pour s'exprimer, que ce soit Capcom ou Square? Ah bah oui, il faut qu'ils fassent ça, ouais, c'est sûr. Mais après, je veux dire, s'ils veulent faire un temps de parole à eux, Capcom, ils veulent présenter leur jeu. Ils ont déjà mis Street Fighter 6 sur... Côté PlayStation, ils n'auront plus beaucoup de surprises, hein, parce que je vois pas ce qu'après ils peuvent... Parce que s'ils montrent R4 Remake, Street Fighter 6, et puis qu'ils veulent faire un temps de parole alors qu'on a déjà tout vu, pour moi c'est un peu... Voilà. D'accord, donc pour toi c'est pas vraiment sûr et ils devraient peut-être se garder quelques trucs pour eux. Bah oui, parce qu'on y a déjà vu au Summer Game Fest de l'année dernière, je crois, où Capcom avait quasiment rien dit sur leur conférence. Et c'était triste. C'était compliqué, c'était très triste. C'était à l'E3. Un faux E3, quoi. Mais bon, mais effectivement, c'est quand même du Street Fighter. Il faut pas oublier que Street Fighter, ça reste une très très grosse licence. Nimeko, Raph, vous voulez réagir? Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, sur le chat, est-ce que vous pensez qu'on verra du Street ou pas? Juste non. Rebondir, c'est vrai que sur le fait que c'est spécial de dégainer beaucoup de choses d'un coup, surtout comme on répète, ça ne durera que 30 minutes avec une grosse partie sur la VR. Donc déjà, quand on dit ça, c'est-à-dire qu'il va rester peut-être que la moitié. Donc puis en plus, PlayStation, pourquoi avoir mis un set of play là en précisant bien en amont, vous attendez pas à grand-chose non plus. Ils ont voulu calmer le jeu tout de suite. Donc est-ce qu'ils ouvrent d'abord avec des choses plus centrées, comme on disait autour de tout ce qui est FF, même RE, puis hop, un peu de VR et c'est tout. Et après, attendre la vague d'annonces du côté Xbox et machin, et après faire une grosse conférence, et pourquoi pas après remettre le couvert sur avec du Street 6 et tout ça. Je ne sais pas trop, mais honnêtement, je ne pense pas qu'il va être là. Ou alors, peut-être qu'ils vont mettre en coup de vent beaucoup de séquences et dire, regardez, tous ces jeux-là arrivent et tout, mais après revoir des nouveautés, je ne sais pas. Mais c'est vrai que j'ai quand même un doute, parce qu'il y a peu de temps quand même. Ah bah oui, non mais c'est sûr. Raph, tu es d'accord, pas d'accord? Alors du coup, Street Fighter, je m'en balèque, mais total, je suis désolé, voilà, ça, j'en ai rien à faire de... Mais en tant qu'explorateur du jeu vidéo... Quelle délicatesse! En fait, Capcom, si tu veux, c'est un peu rêvé là, mais j'espère que... Moi, ce que j'attends de Capcom déjà, bon bah c'est évidemment Resident Evil Village, etc. Mais c'est surtout un autre jeu qui s'appelle Dragon's Dogma. Il y a eu des rumeurs beaucoup dernièrement, Dragon's Dogma 2, qui sera en production. Ça avait leaké il y a pas longtemps, je crois, l'année dernière, lors des documents qui avaient leaké. Je ne me rappelle plus si c'était cette année ou l'année dernière. Et Dragon's Dogma 2 était dedans. Et c'est un jeu qui est très, très attendu par les fans donc des RPG made in Capcom, parce que c'était un super RPG, le premier qui est sorti. Malheureusement, ça a été un succès plutôt, on va dire, modeste, hein, mais c'était quand même assez cool. Donc moi, c'est ce que j'attends de Capcom. Après, pour Street Fighter, je sais pas si, comme l'a dit Nimeko, il y a que 30 minutes et déjà qu'il y a une partie sur la VR. Je sais pas si Street Fighter est bon, c'est une grosse licence, hein, Street Fighter, c'est pas non plus Rikiki, bah, c'est mais ça. Je sais pas si vous montrez... c'est pas n'importe quoi, Street, quand même.
S'ils vont montrer Resident Evil, je sais pas s'ils vont montrer aussi Street Fighter, sinon ça devient un peu la spéciale Capcom State of Play. C'est vrai. Donc je sais pas. Donc... Bah, je sais pas ce que vous pensez dans le chat. Non, mais je ne sais pas ce que vous pensez dans le chat parce que je vous vois en effusion. Ça parle beaucoup de Tekken, etc. Alors moi j'adore Street Fighter parce que j'ai passé toute mon enfance sur Super NES à jouer à Street Fighter de Turbo, etc. Je me souviens encore de l'arrivée de Camille, T-Ox, qui étaient des nouveaux persos. Ouais, c'était magnifique, grosse époque Street Fighter. À l'époque, vraiment, les jeux, on en parlait avec Emma il n'y a pas longtemps, c'était des jeux à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus, un peu plus niche, encore que Street Fighter continue à sortir du lot, et même Mortal Kombat, le dernier était très bon. Mais aujourd'hui, voilà. Une grosse IP sport quand même, Street. Tu préfères Street. Bah, beaucoup préfèrent Street parce qu'on a ce souvenir d'enfant sur Super NES avec les Street Fighter, quoi. C'était la folie. Mais j'avoue que j'ai un affect avec Soul Calibur parce que j'avais adoré le 2. Soul Calibur 2 sur GameCube avec le perso spécial, c'était Link. Évidemment, il faut toujours qu'elle ramène Zelda. C'est vrai qu'il y avait un perso sur chaque console, c'était cool ça. Bah, ça. Voilà, et sur Xbox, c'était qui le perso C'était pas Yoda, non? Non. Pas un truc comme ça. Qui était le perso spécial sur vous allez nous le sortir sur Soul K2. Il y avait Yoda et Dark Vador, mais c'était pas celui-là, je crois. Non. Il y avait t'avais la version Soul Calibur 2, donc avec Link sur GameCube, et t'avais un perso spécial aussi côté Xbox. Vous allez nous le sortir très certainement sur le chat. Toujours est-il que moi j'ai un affect avec Soul K parce qu'il y avait aussi les histoires, etc. C'était cool un peu à la. Ça me fait penser au jeu dont vous êtes le héros, et je sais pas pourquoi, mais ça avait ce côté-là. Et évidemment Mortal Kombat que je trouve vraiment au-dessus du lot, quoi. Oui. Voilà quoi, donc c'était Spawn. Voilà, exactement, c'était Spawn. Merci à tous ou pour vos réponses. Voilà, c'était Soul K2 effectivement, GameCube avec Link, et c'était magnifique. Merci pour vos réponses. Le chat c'est tout de toute façon. C'est vrai. Mais Street Fighter c'est quand même la vie. Franchement, moi je vois une grosse conf Capcom demain soir. Je sais pas où. Non mais c'est pas parce que je vous jure que je dézoome de l'amour que j'ai pour Capcom. Je devrais bosser chez eux, je te jure. Enfin, surtout pour Resident Evil. Mais je vous jure que moi je suis intimement convaincue qu'il y a un gros contenu Capcom, que ce soit du RE ou du Street. Raph, t'es d'accord, pas d'accord? Oui. En dézoomant du fait que tu t'en fous de... Oui, non, ouais. évidemment, écoute. Non, mais pour Street, il y a un truc que je voulais dire, c'est que un truc que j'ai beaucoup aimé sur Street Fighter déjà, Ken, c'est un beau gosse, donc je vois ça dans le chat qui disait, est-ce qu'il y a des beaux gosses dans Street? Oui, évidemment, Ken, c'est un beau gosse. Mais il y avait un film Street Fighter, pas le live-action, mais en animé, je crois que c'était un des premiers films sur Street Fighter 2 qui est juste génial, je vous le conseille si vous pouvez le trouver, il est très très bon. Et mon perso préféré dans Street Fighter c'était Bison, j'adore Bison, c'est un super perso. Après pour Mister Bison, Play... oui parce que oui, comme tu l'as dit, ouais vous... voilà Mister Bison. Oui, ouais, non, pardon, j'ai oublié de mettre français, pardon, oui mais Mister non, mais, Bison, tu me dis ok d'accord. Bison, attends, Bison. De quoi il me parle Street c'est Fighter Bison. Non mais Bison ça a toujours été le... C'est comme ça qu'on dit. Non mais ça s'est toujours passé, j'aimerais avoir un trailer de Street Fighter 2 Turbo sur Super NES, s'il vous plaît, trailer. C'était trop bien. Et il y avait le Prime, en fait, Street Fighter 2 Turbo. Oui, le Turbo, Prime. Oh, je me rappelle. Mais moi, je me souviens vraiment du Street Fighter 2 Turbo avec... Il y avait Zagat, il y avait... Oui. Enfin, c'était magnifique. Enfin, j'ai trouvé un truc. J'avais bien aimé quand j'étais plus jeune de jouer à Street Fighter et tout. C'était très sympa. Pour la conf de demain, State of Play, peut-être plus Capcom. Il y a peut-être des chances, hein, Caro, t'as peut-être raison, qu'il y a peut-être un gros focus à Capcom. C'est tellement vieux que j'arrive même pas à le mettre, le truc. Normal, toi, bien. Ouais, vas-y. Je te jure, c'est tellement vieux que la vidéo, elle rame. Bah okay. Oui, c'est quand même... Vas-y, ça date, hein, ça date quand même. Ça date de fou. Street Fighter plus Resident Evil, c'est quand même deux grosses licences. Donc, s'ils arrivent à caser ça dans le même setup play, alors là, du coup, Capcom aura, on va dire, une grosse lumière sur eux. Et tant mieux, hein, parce que du coup, ça donnera un peu de lumière, justement, à ce style de jeu, hein, qui est donc le fighting game, hein, versus, etc. Et Street Fighter, comme tu l'as dit, je sais pas si c'est Nimiko qui l'a dit, mais en e-sport, c'est très très prisé. Donc voilà, donc ce serait peut-être bien, avec mais... l'Evo, vu que Play est partenaire. Oui, ça marche vraiment. Voilà, c'est ça. Donc ça pourrait être cool. Ouais. Donc il y a des chances, tu as absolument raison, il y a des chances. Mais je sais pas si PlayStation va vouloir mettre autant Capcom en avant sur un State of Play, alors que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de State of Play.
Donc je sais pas, c'est là que j'ai le doute moi perso. Oui. Si ça avait été genre, ça m'a annoncé s'il te plaît il y a genre 2-3 semaines, là oui peut-être, mais vu que ça fait un moment qu'on avait, je m'en rappelle plus la dernière fois qu'on a eu un state of play. Donc du coup ça pourrait, je sais pas, ça pourrait me mettre le doute sur le fait qu'ils mettent autant d'emphase sur Capcom, tu vois. Non, mais j'entends et à la fois je le vois un petit T'es peu pas comme d'accord, ça en fait. Dans le sens. Non, c'est même pas que je suis pas d'accord parce que c'est possible, tout le monde peut se tromper, j'ai pas plus de ressenti que toi. Mais je me dis quand même, ça peut faire. On parle d'éditeurs tiers et quand même, les gros partenaires de PlayStation en éditeurs tiers, c'est quand même Capcom et Square, Nimeco. Oui, bah, ouais, pour rebondir sur ça, je pense que, comme on l'a dit, en plus souvent, ils avaient tendance à faire depuis pas mal d'années des conférences, mais qui étaient très ennuyeuses et qui n'étaient pas trop suivies. Enfin, il n'y avait pas trop de trucs très intéressants à chaque fois. Et c'est vrai que du coup, peut-être qu'ils ont trouvé un accord en disant, bah, vu que les state of play sont très regardés, ce serait peut-être plus intéressant du coup de les mettre ici et faire un focus avec d'autres éditeurs qui sont très attendus. Et après, voilà, enfin, de faire à chaque fois des conférences à côté annexes, ce n'est pas les conférences qui sont plus suivies, honnêtement, celles de Square ou de Capcom. En fait, c'est des jeux qui sont très populaires, mais les conférences sont très de niche. En fait, faut vraiment aller les chercher. C'est pas très médiatisé, honnêtement. Enfin, pas autant en tout cas. Enfin, parce qu'elles étaient souvent décevantes aussi en termes de contenu. Souvent, Square Enix, notamment, il y a des couloirs entiers où c'est que des remasters, des remakes, des sorties de jeux mobiles, des trucs un peu en pixel qui sont mignons, mais c'est pas ça que tu veux voir, j'avoue. Et au final, les trois quarts du temps, c'est ça. Donc, au final, les gens après, ils ont pris l'habitude de passer leur chemin. Et donc, c'est vrai que d'un côté, je peux rejoindre ce que tu dis, Carole. C'est vrai que remettre dans un state of play pour refocus sur ce genre de gros titres, c'est vrai que ça peut être intéressant et logique. Bah, c'est ça, c'est ce que je me dis. Et pour répondre un petit peu, effectivement, je crois que c'est Captain qui nous parlait du dernier State of Play. C'était Hogwarts Legacy, il me semble que oui. Mais de plus en plus, donc c'était Hogwarts Legacy. Je crois qu'on a eu. Attends, Gotham Knights, c'était. Non, Gotham Knights, c'était Gotham Knights. Il y a eu un Horizon avant. Il y a eu du Horizon. Mais je trouve que PlayStation met de plus en plus en avant les éditeurs tiers. Donc je serais pas. Et là, ils l'ont dit clairement, c'est éditeurs tiers plus. Réalité, enfin plus jeuvière. Donc quelque part, ça va quand même être dédié au hardware PlayStation et à la fois il faut quand même qu'il y ait du lourd. On est dans la Summer Game Fest, c'est quand même la grosse période. Moi, je serais pas surprise de les voir lâcher un truc très très fort. Dernier State of Play, effectivement, 17 mars 2022 avec Hogwarts Legacy. Bah oui. Le jeu Horizon, c'est VR, c'est Guerrilla qui est en charge ou c'est un autre studio? Oui, c'est Guerrilla. C'est Guerrilla, oui, complètement. Call of the Mountain. Donc du coup, il y a bien des jeux de studio quand même, mais du coup en VR, mais il y en aura VR. Quand même. Ouais, complètement. Ben, on parle quand même de leur hardware, donc du coup, quelque part, non, parce on parle que de... Leur phrase est un peu ambiguë, il dit de jeux éditeurs tiers, ouais. Et jeux VR, mais du coup, les jeux VR peuvent avoir des jeux du coup, de leur studio. Quoi. Ah ben pour moi, alors moi je vous le dis, hein, honnêtement, je pense très clairement, alors j'aurais adoré avoir une date de sortie pour God of War, très clairement, mais après à la fois, on s'en fout un peu. Mais je pense très clairement qu'on va avoir, c'est pour ça que je dis qu'il y aura du Resident Evil, parce que je pense que Resident Evil peut remplir toutes les cases. Il y a le remake, il y a les DLC qui sont attendus. Attention, je vais aller plus loin. Hein. Je vais aller très très loin et là vous allez dire vas-y. Mais j'en suis sûre. Il y a les versions next-gen qui vont arriver de RE3, RE2, RE7. Et à mon avis, ça va arriver très très vite parce qu'on les a vus popper sur le PlayStation Store. Ça a été, comment dire, référencé sur Peggy, etc. Oui. Donc à mon avis, on va avoir les versions next-gen. Il y a quand même Reverse qui doit arriver, même si tout le monde s'en fout. Il y a quand même Reverse quand même qui doit arriver. Il y a la réalité virtuelle et je suis sûre que RE8 est en cours de développement, enfin que ça va arriver sur... Donc c'est pour ça que moi, je ne dis pas ça encore parce que je suis fan de Resident Evil, mais le fait est que oui, je pense que ça va être une conférence très capcomesque avec un petit peu du street et il faut profiter de cette force de frappe. Nimeko, t'es pas d'accord? Oui, si, je pense que c'est pertinent parce que, comme dit, au final, qu'est-ce qu'on retient même plusieurs années après du premier PSVR, c'est RE7 qui reste une exclusivité et parmi l'un des gros jeux, même VR, même avec ce qui sort sur PC, même sur PC, ils ont quand même des plus grosses expériences. Enfin, ils ont des expériences similaires, je veux dire, avec tout ce qui est Lone Echo ou AlphaVallix, ils ont des gros, gros titres quand même. Mais du coup, le RE7 VR reste peut-être la plus grosse expérience de jeu solo narratif sur le PSVR, en fait. Et c'est une exclusivité, en plus, encore à date du PSVR. Donc, c'est pour ça que je pense que pour lancer un PSVR 2, déjà, le 1 avait bien marché, mais je pense que Sony veulent aller encore plus loin. Et du coup, il faut qu'ils marquent le coup avec... au moins une ou deux gros, un,
un gros jeu qui fasse... Ah oui, c'est le truc qu'il faut acheter pour la fin d'année, si c'est prévu pour la fin d'année. Tout à fait. Ouais, et du coup, il faut mettre, comme tu dis, Raph, parce que même toi, tu es le premier à le dire, il faut une expérience qui te dise, ah oui, il faut que je justifie, ça va être au moins dans les 400 euros, honnêtement, faut pas se cacher. Enfin, vu la technologie qu'ils vont vouloir mettre sur la reconnaissance des douanes, machin, c'est au moins 400 euros, je pense. Donc, il faut justifier le prix avec une ou deux grosses cartouches. Avec des gros jeux. Voilà, mais t'as raison. Il peut y avoir un nouveau titre et le RE8 en mode VR. Je pense qu'ils sont obligés de taper avec une ou deux grosses cartouches. Sinon, tu ne peux pas justifier avec, même si c'est très sympathique, mais des petites expériences. C'est pas ça qui va te faire sortir comme si tu repayais une PlayStation 5, honnêtement. Donc, on est d'accord. Absolument, tu voulais rebondir. Ah, Raph, d'abord, ouais. Et on laissera Répondre à Animeco. C'est souvent ce que je dis, c'est comme à la Xbox Series X. J'ai toujours pas d'Xbox, tout simplement, parce que il n'y a pas eu de jeu pour l'instant qui m'a donné envie d'acheter une Xbox Series. Par exemple, Forza, je sais que c'est Forza et Microsoft Flight Simulator. C'est des jeux très sympas, je suis sûr, mais c'est pas les jeux qui m'ont fait aller courir après une Xbox. Moi, c'est surtout Starfield que j'attendais, qui maintenant a été décalé. Oui. Mais moi, il me faut un jeu, il me faut on un le verra truc. Probablement. On le verra, de toute façon, c'est prévu de le voir. Oui, je suis sûr qu'on verra. Je suis sûr qu'on verra, mais il faudra un truc pour acheter une Xbox Series. Et juste avant que j'oublie, un gros merci à Magic qui a fait un super chat. Qui disait, c'est la raison pour laquelle je l'ai dit, il dit bonsoir, je suis d'accord avec Raph, merci Maji, nous on fait des beaux gosses, j'ai hâte d'être à demain, merci Maji d'être dans mon club des beaux gosses, merci beaucoup, voilà. Non mais très très très, ça vient, on comprend tout à fait. Petit, tu voulais rebondir? Ouais, je rebondis à ce que dit Meiko, à mon avis pour moi, la grosse cartouche qui va être sur le PSVR, ça va être Horizon. C'est sûr et certain. Ah oui, s'ils veulent montrer du gameplay, c'est que ils veulent vraiment mettre une claque au niveau du PSVR 2, donc ça va être vraiment le gros jeu. La grosse expérience pour le PSVR 2, pour ce State of Play. Justement, j'ai peur que ça soit qu'une expérience, en fait. Parce que, en fait, c'est un peu bizarre, mais le mot expérience fait penser vraiment en mode... on est un plus contemplatif qu'autre chose, tu vois. Que RE7, c'était vraiment... C'est un vrai jeu, complètement. Jeu, c'est pour ça que je comparais à du Half-Life Alyx et tout. C'est des jeux vraiment avec des univers ultra organiques. Tu peux prendre tout, les jeter. C'est ça, pour moi, un jeu PSVR 2, en plus, qu'il faut. Parce que, comme tu disais, maintenant, il reconnaît les doigts et tout. Donc il faudra prendre, tu vois. Et c'est... après, on a vu qu'une vidéo qui dure 3-4 secondes, effectivement, de Horizon. Mais j'ai peur que ça soit pas juste un pied d'appel pour justement aller jouer à Horizon, au contraire. Tu vois, comme ils ont déjà fait des fois, comme il y avait eu des expériences Batman, Star Wars, des trucs un peu où t'es dedans, mais finalement, c'est pas des vrais trucs, ça dure une petite demi-heure, une minute. Alors après, peut-être pas, peut-être que je me trompe, et j'espère, honnêtement. Mais... C'est ça, mais le mot expérience, je comprends, peut faire parce un petit peu jouer peur. Jouer un jeu Horizon en VR, pour le coup, ça s'y prête pas trop tellement. Le truc, il faut tourner autour des monstres. Alors après, si, il y a le tir à l'arc qui peut s'y prêter, mais tu vois, c'est un peu... Mais après, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais et j'espère que c'est un vrai gros titre et pas juste un petit truc pour faire, entre guillemets, juste pour faire On n'a pas vu grand-chose pour l'instant, j'avoue, de ce qu'on a vu, ça bouge juste un petit peu comme ça la tête, c'était un peu léger, quoi. Voilà, ça faisait plus penser à une cinématique à ce moment-là, tu vois. On a l'impression qu'on est sur un rail, mais vraiment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va être ça, Animeco. Hein. Je pense que ça va être ça, surtout. C'est pour ça que ça rail, me fait un peu... Pas peur, parce que je pense que l'expérience va être géniale, mais c'est peut-être pas ça qui va te faire payer le truc, toi. C'est ça, ça me fait un peu... Parce que là, on a l'impression, effectivement, qu'on va être sur un bateau, qu'on va visiter un petit peu les environnements, et ils nous en montrent pas beaucoup plus. Ça soit pas juste Jurassic Park, quoi, qu'on regarde pas juste un parc, un train, c'est quoi. Ça, même si on rêverait d'un jeu Jurassic Park. Mais en vérité, ça me fait un peu penser, vous souvenez forcément de Until Dawn, je vous ai parlé de son vrai, entre guillemets, successeur qui va arriver dans 9 jours, hein. Je vous en ai parlé exactement sur la chaîne The Quarry, voilà The Quarry, qui est vraiment plutôt cool en termes d'ambiance. Je vous proposerai le test. Et on avait eu une expérience en réalité virtuelle inspirée d'un Until Dawn, et c'était un rail shooter. Et ça s'appelait comment Until Dawn. Rush of Blood. Il était bien. Rush of Blood, et qui était super cool, mais ça restait ça restait une expérience. Voilà ce que ça donnait. En fait, c'est pas péjoratif cool. Quand on dit expérience non plus. Ce que je vois dans le chat, ils disent que ça, même Batman, ça durait 3 heures. Oui, ça dure 3 heures, mais c'est pas. C'est pas des vrais gros jeux. Oui, c'est pas des vrais jeux. On compare à par exemple, imaginez RE4 VR qui existe sur PC. Là, c'est complètement autre chose. Vous avez un vrai jeu. C'est un peu péjoratif de dire vrai jeu, c'est pas vrai jeu, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pas juste une expérience. Parce qu'en fait, ce qu'on voit. Sur le
comment il s'appelle déjà ce titre là, Rush of Blood, tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, en fait, c'était très sympa, mais c'était des petits segments de 5-10 minutes à chaque fois. Et en fait, on lançait à chaque fois. Et en fait, c'est un peu comme une attraction, quoi. C'était clairement ça. C'est ça. Mais du coup, c'était très très bien. Même pour faire essayer la VR, on se passait le casque et tout avec des potes. Je l'ai déjà fait, ça marche très très bien, ça. Et ça, c'est vrai que c'est ce pas... genre de jeu fonctionne très bien. Ouais. Ça marche très bien, mais c'est comme dit, au bout d'une heure, t'as fait le tour quand même du truc, quoi. Oui, non, mais complètement. Même s'il est très bien. C'est ça, hein, c'est ça le problème avec la VR aussi, c'est que moi, quand je fais la VR, c'est surtout, je vais dans les centres ici où ils offrent la VR, etc. Et tu le fais pendant 15 minutes, 30 minutes, une heure, ce que tu veux. C'est après, t'es bon, t'es un peu gavé, je veux dire, parce que c'est des expériences. Et comme je le dis, Nimiko, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas une mauvaise chose. C'est des expériences très sympas. Tu adores, tu kiffes, tu payes ta session, tout est bien. Mais est-ce que ça me donne envie d'aller acheter un truc à 400-500 $? Enfin, ici, ça va être 700, ça, je le vois venir déjà comme une maison. Genre un truc à quasiment le prix d'une console pour peut-être des expériences d'une heure. Et après, sans être méchant, ça va être comme la Switch, tu vois, il y aura peut-être un ou deux jeux que je vais kiffer. Après, ça va rester dans sa boîte. Ça dépend du dépend du contenu, tu vois. Ça dépend du contenu, en fait. C'est vrai que le PSVR, un bon contenu. Sur l'ensemble du catalogue, c'est plus souvent des choses que tu picores petit à petit. Genre, tu peux pas être ton truc principal. Il y a des code games qui sont cool. Il y a le. Oui, oui. Il y a Moz aussi, qui est visiblement très bon. C'est pas R7. Non, non, mais je suis d'accord. On a Cédric Coco. Mon Cédric, un petit coucou à toi qui dit. Comment peut-on dire que c'est un rail alors que l'on n'a rien vu, surtout qu'ils ont annoncé et insisté sur de vrais jeux complets et non des expériences. Ben, on espère en tout cas... Oui, c'est des réactions à chaud qu'on fait, mais voilà. On espère que ce soit mieux. Tout à fait, oui. Voilà, exactement. Ce sont des réactions à chaud et à la fois une expérience, ça peut être très agréable, mais ça reste pas des jeux. Et je pense que les joueurs qui vont investir sur une PS5, un PlayStation VR 2, ben, ils ont envie d'avoir des gros jeux. Ça se trouve, Horizon sera offert. À la RE7. Sera un jeu offert. Hein. Complètement. Ah, ça peut être offert. C'est possible. Tio, tu voulais rebondir. Non, mais je crois bien que Guerrilla avait dit que ça serait vraiment un jeu. Hein. Je crois pas que c'était pas une expérience qu'ils avaient dit. Hein. C'était vraiment un jeu qu'ils voulaient faire. Hein. Après, attention aussi à chaque fois. Mais bon, après, si tu fais un jeu avec une dizaine d'heures, c'est déjà bien. Tu as une petite dizaine d'heures comme ça en VR. Ah, une dizaine d'heures en VR, c'est largement suffisant. Ça te met déjà à l'envers. Hein. C'est largement suffisant. J'allais dire. Ouais, Raph. Je reprends. Melissa Morino qui dit dans le chat, la VR, moi, c'est 10 minutes et puis je pars vomir. Et je pense qu'elle soulève un truc assez intéressant au niveau marketing, au niveau image. T'as pas envie, enfin, j'imagine Sony n'a pas envie de sortir leur VR et des jeux qui rendraient malade les gens, tu vois, surtout quand on sait que, surtout aux États-Unis, il y a vraiment un gros focus sur, avec les enfants et les jeux vidéo, etc. Donc j'imagine aussi les jeux qu'ils doivent faire pour l'instant, j'imagine peut-être que ça rentre en compte. Ils ne peuvent pas faire non plus des jeux de 30 heures parce que ça donnerait peut-être des mauvaises expériences aux gens. Et si jamais tu as une mauvaise expérience en jouant un jeu VR, tu n'auras peut-être plus envie de le faire. Après, c'est comme le mal de mer. Hein. Plus tu fais, moins tu as de nausées. Oui, il y a aussi ça. Hein. Oui, il y a aussi ça. Mais bon, l'image, c'est surtout l'image dont je parle, l'image marketing, etc. Donc, je pense que c'est un peu délicat. Surtout pour une nouvelle technologie, tu n'as pas envie que ça se casse la gueule direct. Déjà qu'on a VR2, c'est assez cool parce que ça veut dire que la première version a plutôt bien marché pour eux, qu'ils sont contents, ils sont contents des résultats, ils sont contents des retours. Donc du coup, on a une version 2. Je pense que c'est un peu délicat quand même, ça reste une nouvelle technologie, ça reste une technologie que peut-être va être décortiquée par des groupes, etc. Histoire de voir si c'est un outil dangereux, comme ils disent, ou si c'est un truc qui peut perdurer dans le temps, tu vois, parce que il y a déjà eu des versions VR avant, je me rappelle, il y avait une version qui était sortie pour la PS1 à l'époque, c'était vraiment un truc, c'était pas officiel, hein, c'était une autre compagnie qui avait fait, ça a été cancel quasiment directement parce que les gens trouvaient que avec les yeux ça faisait des trucs aux yeux. Donc c'est le genre de délicatesse, le genre de choses auxquelles on doit penser. Il y a un petit parallèle avec les jeux mobiles, tu vois, quand un développeur sort un jeu mobile, il se dit toujours est-ce que je fais un jeu rapide ou un jeu une vraie grosse expérience, tu vois. En fait, c'est pour te dire qu'en fait c'est un marché où tu as deux choses qui se battent, en fait. Il y a des gens qui vont aimer la VR, mais juste des petites expériences parce qu'ils ne vont pas supporter plus, honnêtement, comme tu le dis. Et d'autres qui s'attendent, ils veulent des gros trucs de fou, mais du coup, bah, tu vois, en fait, le marché est un peu compliqué, il est divisé en deux, c'est vrai. Et du coup, je pense qu'en tant qu'éditeur, tu dois te dire... est-ce que je pars sur des petites expériences ou à picorer, entre guillemets, ou alors un vrai gros truc, mais... C'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est un peu comme les jeux services. Est-ce que je fais un jeu
qui, tu sais, avec tout ce qui est Fortnite et tout, est-ce qu'on fait un jeu rapide qui dure des games qui durent 15-20 minutes ou on part sur des gros des jeux qui durent une heure ou deux, mais est-ce que les gens sont prêts à s'investir autant de temps? C'est ça. En fait, vu le prix. Le marché évolue tellement vite, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Ben c'est ça, parce que tu vas dépenser tes sous dans une PS5, Xbox Series, et puis il faut aussi acheter le casque. Donc quelque part, tu te dis attends, j'achète déjà une console pour les exclus, pour les jeux. Est-ce que ça justifie vraiment l'achat, même si rapport qualité-prix, le PlayStation VR, il faisait totalement le job. Et quand on voit ce qui se dessine du PlayStation VR 2, même en termes de confort, d'expérience utilisateur, ça va être encore plus justifié. Mais est-ce que ça justifie justement cet achat supplémentaire si t'as pas au moins un bon survival horror à la Resident Evil, vu l'impact de Resident 7 et des jeux un Puis peu plus... Là, il y avait un jeu qui était pas mal fois. Aussi un... Il était bon ce jeu où c'était un FPS, t'affrontais des araignées géantes, etc. Enfin, il y avait des trucs assez. Tu l'as Flash. Non, c'est pas ça. Flashpoint, c'est ça. Il y avait même le pistolet dedans. Exactement. Et ça, c'était assez cool. Et qui pouvait être jouable en coop en plus. Et qui était jouable en coop. Et t'avais aussi le jeu un peu à la. Comment il s'appelait ce jeu? Un peu à la James Bond aussi, qui était assez cool et qui était d'ailleurs tiré de l'univers. Ouais. Tiré de Us and Blood and... C'était Blood and... La voiture et tout, c'est ça, avec la voiture et tout. Ouais, vous allez... Alors, Farpoint et pas Flashpoint, parce que je me disais, c'est pas... Farpoint, très bien, et pas Flashpoint. Flashpoint Paradox. Ça aurait pu être totalement le même truc. Et c'était Farpoint très très bon. Et après, il y a tout un tas de jeux d'horreur. Moss, qui est très très bon. Mais il y avait jeu Blood qui était... Truth. C'est pas... Blood and Truth. Merci beaucoup, Captain. Merci, Captain. Voilà. Qui était vraiment très très bon. J'avais fait le test, d'ailleurs, à l'époque. Enfin, il y a des jeux comme ça. Mais moi, je pense qu'il doit y avoir des petites expériences pour les gens, effectivement, qui veulent un peu s'évader. Par exemple, moi, j'avais testé un jeu où tu te retrouvais devant une aurore boréale, devant une grande chute d'eau. Tu te posais. S'immerger, tout simplement, un peu dans la matrice, quoi, en gros. Et des vrais jeux pour les gamers qui veulent aller au-delà de la manette. À travers un écran de. Surtout, comme dit, vu que c'est la première fois qu'ils vont nous le montrer vraiment, ils sont obligés de mettre une ou deux grosses cartouches pour nous le vendre. Ils sont obligés. Ouais, mais c'est sûr. Bah oui, c'est absolument obligatoire. Oui. Obligé. Et à mon avis, la cartouche est R8. je pense R8 en tant que jeu qu'on s'attend et qui va être là et qu'on connaît, entre guillemets, même si on va avoir le passage en VR. Et un autre gros jeu, un nouveau truc, un truc. Je pense que c'est possible. Ouais, de toute façon, on va avoir des jeux qui sont en cours de développement. Donc, après, il va falloir attendre la sortie du casque, etc. Petit haut, Après, ils ont bien mis jeu PSVR 2, donc il va y avoir plusieurs jeux. Hein. Ah oui, complètement. Je pense que ça va vraiment être divisé en deux parties, c'est-à-dire qu'on va avoir les éditeurs tiers. À mon avis, on va avoir du Square, du Capcom, et après, ça va être les productions PlayStation VR 2. Et à mon avis, d'ailleurs, il y aura du Resident Evil dedans. Donc, et Apollo 13 aussi, c'était magnifique, effectivement, oui. Ryuazuki. Apollo 13, c'était une très, très belle expérience. Il y avait aussi une expérience qui s'appelait How Expect You to Die, si je le prononce bien. Il y avait d'ailleurs le 2, mais j'ai fait que le premier. Mais est-ce que c'était sur PlayStation VR? Il me semble que oui, qui était très, très bon avec un narrateur à l'accent très anglais, très appréciable, qui vous dirigez dans une espèce d'escape game très sympathique en réalité virtuelle. Il y avait Hitman aussi. Hitman, complètement, que j'ai pas fait d'ailleurs en VR. Pourtant, je suis fan d'Hitman, j'ai pas fait. Il y avait FF15 en VR, Pochul qui le mentionne aussi, FF15 un mode VR. Il y a beaucoup de choses, il y a eu Drive Club qui avait tenté, d'ailleurs peut-être que Gran Turismo aura son passage en VR, peut-être. Possible, hein. Je pense qu'on peut avoir, et alors une question qu'on nous a beaucoup posée, parce qu'on parle du nouveau Call of qui va arriver, c'est du Modern Warfare, il y a une énorme hype, est-ce que vous pensez, il y a ce bruit de couloir sur un Call of Duty en réalité virtuelle, c'est vrai qu'il y avait Batman en VR, je trouvais que c'était un très très bon jeu, mais on va dire qu'on va plutôt le mettre dans la case expérience effectivement pour Batman, et c'était vraiment pas mal. Mais du Call of, est-ce que vous pensez qu'on peut voir du Call of demain soir et éventuellement en réalité virtuelle? Qu'est-ce que vous en pensez sur le chat, Raph? Tu voulais réagir? Ça, c'est pas très bien, Call of, parce que justement, je pense que même si le dernier s'est plutôt bien vendu et tout, c'est pas non plus un flop, mais c'est pas non plus... les mêmes chiffres qu'avant, je crois. Il y a une petite un petit déclin. C'est pas non plus la catastrophe, je dis pas c'est une catastrophe, mais c'est quand même un petit déclin.
Donc oui, ça pourrait être cool d'avoir un truc Là, c'est du Modern Warfare, et... donc ça, oh, va, ça parle plus ça parle aux fans de Call of. Ça devrait remonter, voilà. Oui. Ouais. Absolument, j'ai vu le buzz même ici, ils en parlent beaucoup. Mais pour un Call of en VR, je pense que ça s'y prêterait plutôt bien. Pour moi, les jeux VR, surtout avec les jeux shoot'em up, ça s'y prête super, super bien. En général, moi, quand j'ai joué à des jeux expérience shooting en VR, dans les sessions, etc., il n'y avait pas cette espèce de nausée, de malaise, etc. Ça se prêterait super bien. Tu te perds dans le jeu. Donc, je pense que ça s'y prêterait super bien. Après, maintenant, reste à voir comment ils vont gérer ça au niveau... parce que Call of, c'est très, très, évidemment, très frénétique et tout. Donc, reste à voir comment ils peuvent transposer cette expérience que tu as manette en main, qui fait partie de l'expérience Call of. Hein. Moi, quand j'ai joué à Call of, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est vraiment ce côté adrénaline, frénétique, etc. Alors qu'en VR, très souvent, quand tu bouges en VR, du moins de l'expérience que j'ai, c'est quasiment tu cliques, tu pointes, tu cliques, etc. C'est pas aussi... je sais pas, il n'y a pas ce rush que tu peux avoir avec manette en main. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent transposer cette expérience-là en VR. Ça pourrait être très, très cool. Mais oui, moi je kifferais bien de voir Call of en VR et voir un peu ce que ça donnerait. Oui, absolument. Bah oui, ça, je pense que ça pourrait s'y prêter. Et à la fois, c'est tellement de plus en plus réaliste. Ça pourrait être des jeux assez chocs quand même, Thio. Ouais. Ça te plairait aussi? Ah bah, après, moi, c'est le problème, c'est que je supporte pas la VR, malheureusement. Et oui, j'aimerais la supporter, hein. J'aimerais, parce que j'ai essayé plusieurs fois, mais à chaque fois, j'ai eu les vomissements. Ça, le motion sickness, mais on n'est pas tous égaux. Même sur des jeux de voiture, VR, Tout le temps. J'ai tout le temps la tête qui tourne et j'ai tout le temps envie de le poser. Je peux pas rester plus de 10 minutes, c'est pas possible. Ouais, non, mais je comprends. Après, moi, par exemple, Resident Evil 7, je l'ai autant aimé en classique qu'en réalité virtuelle. Nimeko, toi, ça te dirait est-ce que tu penses qu'on va avoir du Call of Duty demain soir? Non, je pense pas, honnêtement. Le jeu a une trop grosse attente pour pouvoir être tout seul, entre guillemets, enfin, hors de ce genre de communication, je pense. Et en plus, je pense qu'il n'aurait pas trop sa place, parce que, comme dit Raphaël, c'est un jeu quand même qui est très nerveux, qui est très rapide en fait, et ces genres de jeux, quand tu te déplaces, la caméra elle tremble, enfin toi il y a un effet de... Ah bah oui, t'es dedans quoi, ouais. Bah oui, et du coup je me dis en VR, le jeu serait beaucoup plus mou, mais après c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a des missions ultra prenantes, ultra poignantes, avec des grosses mises en scène qui marcheraient très très bien en VR, très très cinématographique, où c'est un peu plus calme, avec des ambiances et tout, là ça marcherait. Donc en fait, quand on le dit, peut-être en mode expérience, ça marcherait, une expérience Call of Duty, mais pas le jeu, en fait, full, quoi, comme on pourrait avoir. Parce que du coup, je trouve ouais, c'est trop frénétique. Et je pense que un joueur Call of Duty, c'est pas ce qu'il cherche. Et enfin, je sais pas, je trouve que c'est peut-être pas la cible. Plus en expérience pour une ou deux scènes très, très poignantes, une scène plus calme, comme il y avait déjà eu avec la scène du sniper, là, ça, genre de truc, ou des trucs de nuit, là, quand ça infiltre dans des camps, ça, des trucs un peu plus calmes, pourquoi pas. En mode expérience, ça marcherait bien. Peut-être une expérience, voilà, pas trop longue, simplement une mission, la mission en réalité virtuelle, effectivement. Les missions emblématiques, quoi, il y en a déjà eu, donc pourquoi pas. C'est ça, ouais, complètement. À voir, hein, peut-être. On a Loïc Lamotte qui est d'accord, Call of, c'est trop rapide pour la VR. Dave Marley qui a pas du tout aimé Vanguard. Moi, j'ai beaucoup aimé la manière dont ça s'est raconté. J'ai adoré la campagne solo. Je trouvais qu'elle était assez intime. J'ai plutôt aimé ça après Modern Warfare, c'est quand même différent. Et Captain Ichiro qui rappelle que Call of avait déjà fait une petite expérience en VR sur Infinite Warfare en exclu PSVR, donc c'est possible, même si ce serait bizarre qu'Acti le sorte pas sur Xbox du coup, puisque pas de réalité virtuelle, faudrait vraiment qu'ils accélèrent de ce côté-là. Voilà, et Captain qui dit, après j'ai fait Doom VR qui est super frénétique et qui est un jeu complet, ça passe sans problème. C'est vrai, donc, c'est vrai. Voilà, c'est selon vraiment, c'est selon chacun. Petit haut. Par contre, il sera peut-être pas en VR, mais il sera peut-être là demain, par contre, au Stuff Play, parce que selon Tom Anderson, il y a peut-être un reveal le 2 juin. Et ça tombe demain, hein. Ça tombe demain. T'es là, regarde. Bien. Ça tombe demain. Bien. D'ailleurs, j'ai pas vraiment regardé, parce que effectivement, il y a beaucoup d'attentes, mais on a parlé essentiellement de Resident Evil, de FF. On a parlé effectivement de Call of Duty à l'instant.
Est-ce qu'il y a d'autres titres que vous aimeriez voir? Parce que je regarde un petit peu les fuites qu'il y avait eu pour qu'on voit un petit peu, parce que honnêtement, je regarde pas trop les fuites. Alors Stray, il est censé arriver dans pas longtemps. Donc j'allais dire, il y a Stray. Voilà, ouais. Vous en parlez, il y a du Stray, mais on nous parlait, alors il y avait du Forspoken, mais à mon avis, ça va être décalé. On nous parle d'un Little Devil Inside, ça aussi, hein, je sais que c'est... Parce que 6-7 ans, moi. C'est un moment qu'on attend. Alors, du coup, est-ce que vous pensez qu'on pourrait le voir, ce Little Devil Inside? Après, on en a déjà beaucoup vu, honnêtement. Ils ont montré beaucoup, beaucoup de séquences de gameplay sur une année. En fait, le jeu est en développement depuis au moins 7-8 ans. Mm-hmm. Parce que je suivais même les balbutiements du projet à l'époque, j'en souviens. Et là, depuis 2 ans, honnêtement, il y a une grosse communication parce que le jeu est prêt à sortir bientôt. Et donc, à chaque fois que Sony communique, il nous diffuse de nouvelles séquences de gameplay. Et le jeu a l'air ultra riche parce qu'il est très diversifié sur beaucoup de plans en termes de gameplay. Et, tout ça. Mm-hmm. Ouais. Et du coup, on en a déjà vu beaucoup parce qu'il y a fait 2-3 vidéos où à chaque fois, c'est même des séquences différentes en plus. Donc je sais pas ce qu'il pourrait nous montrer. En fait, ce serait un peu redondant parce que même si je l'attends énormément, je préférais voir autre chose maintenant parce que je sais que le titre va arriver. On sait déjà ce qu'il va donner parce que peut-être mis bout à bout, on a peut-être déjà 15-20 minutes de gameplay. Donc c'est pour ça que je me dis qu'est-ce qu'il pourrait montrer de plus en tout cas. Est-ce que ça serait pertinent de montrer davantage? Voilà. Ouais. Est-ce même que si ce serait jeu, pas trop beaucoup. Oui, voilà. C'est un peu comme Stray. On a hâte d'y jouer. Ça va arriver. On a une date de sortie, mais est-ce que ça sert vraiment de le montrer demain c'est soir? C'est vrai qu'il y a le deal avec PlayStation, donc pourquoi pas. Ils peuvent montrer du gameplay après, parce qu'on n'a pas eu vraiment de gameplay. C'était vraiment des cinématiques de gameplay. Que là, vraiment, manette en main, ça pourrait être cool. Bout à bout, en fait, de gameplay. Ça pourrait être cool de voir ça. Après, clairement, hein, c'est vrai que 30 minutes, c'est long et c'est pas long. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout dépend comment ils vont découper leur state of play. Le state of play, on sait que ça peut aller très très vite sur certains jeux. C'est vrai qu'il y a Avatar, là, je viens de voir dans le chat, c'est vrai qu'on l'a oublié de le mentionner. Voilà, il y a du Avatar en VR qui serait prévu. Et c'est vrai que pour Sony, ils ont dit qu'Avatar, c'était partie de leur partenariat, comme Hogwarts, Legacy, tout ça. Donc ce serait pas déconnant de voir... en VR ou même le jeu d'Ubisoft. Après Ubisoft, est-ce qu'ils seraient prêts à lâcher leur cartouche, je sais pas, dans un state of play comme ça, je suis pas sûr. Après il y a eu énormément de leaks différents, c'est-à-dire qu'on voit des trucs assez incroyables. Il y en a qui me paraissent assez cohérents. Il y en a qui me paraissent un petit peu trop tirés par les cheveux, mais il y en a qui me semblent Raph. J'allais dire, il y a un jeu qu'on pourrait voir, qui me ferait trop rire si on le voit, parce que ça me... Voilà, ça s'appelle DC League of Super Pets. Il y a le film qui sort bientôt. Alors, je sais pas si tu sais c'est quoi. C'est les animaux des super-héros DC, genre le chien Batman, le chien Superman. Super Pets, ouais. Et Super Pets. Et donc, il y a un jeu qui est supposé sortir là, soit en juillet, soit en septembre. Et il se pourrait qu'on le voit un peu, ce jeu. Donc, je sais qu'il sort sur PlayStation, je crois. Donc, il y a des chances. C'est pas un jeu PlayStation, évidemment, c'est un jeu tiers. Hein. Donc, il y a des chances qu'on voit ce jeu-là, vu que c'est cross-média. Attends, je le cherche parce que j'ai pas le titre exact. Ça s'appelle DC League of Super Pets, The Adventures of Crypto and Ace. Donc, c'est les chiens de Batman et Superman. C'est la ligue. Et le truc... la ligue des Super Pets. Et le truc qui me fait super rire, c'est que même Crypto a un jeu. Alors que Superman, non. Ouais. Ça me fait. Mais vraiment, j'en ai marre. Superman, j'aimerais beaucoup. Superman, c'est sur Nintendo 64, un super jeu, si tu sais. Ah, mais arrête, Nimeko, hein. C'est bon, hein. Non, mais c'est rétro, un jeu affreux. Voilà. C'est du rétro. Non. Le seul jeu Superman qui était minimum jouable et qui était cool, c'était la mort de Superman chez Mega Drive. Je crois que chez Super NES aussi. Ouais, mais franchement, compliqué. Ça me fume. 64, ça me fume que même le chien a un jeu, mais pas Superman. Bref, ça me fume. Même et je sais qu'on va le voir demain. Un jeu et pas Superman. Donc voilà. Ouais. J'avoue que je m'en fiche un peu. Je préférais tellement avoir. Je te dis, mais tu dis quoi? On tape. Je te dis quel jeu on peut voir. Voilà, je pense que tout le monde s'en fiche, mais c'était bien de le dire. Non, mais parce qu'on évoquait un petit peu les autres jeux qui pourraient être présentés. Et Pandora, je n'ai pas une news sur le nouveau Tomb Raider. Je pense qu'il va falloir patienter encore un petit peu, évidemment. Voilà. Sepsol qui nous dit « Salut mon Sepsol, Avatar est un deal. La bêta gameplay semble être prête, donc... »
c'est très possible. Mais je pense que ça peut être le state of play de la surprise. Parce que, en vérité, maintenant, on est tellement habitué cette année, on a tellement souffert de cette. De ce lancement un petit peu nuancé, où ça s'est pas vraiment lancé, où il y a encore la, il y a encore, comment dire, cette pénurie, etc. Et tout a été reporté. Je pense que ça peut être le, ça peut être un petit peu le comment dire, le entre guillemets, le retour des grosses annonces et de la hype. Qu'est-ce que vous en pensez, Captain Ichiro qui dit le podcast PSVR Parole qui avait annoncé les specs du PSVR 2 disent avoir entendu parler d'un Killzone VR justement pour rester dans les FPS. Pourquoi pas, moi j'aimais beaucoup Killzone. Effectivement, Killzone c'est guérilla. Raph, tu voulais rebondir? Non, j'allais juste dire, j'ai vu un message. J'allais juste dire, allez tout vous faire voir. Non, non, c'est Sepsol qui disait qu'il y a aussi Marvel's Midnight Suns, qui est un super jeu. Oui. Que, qui me hype beaucoup, que j'ai hâte d'en voir plus. C'est vrai qu'il est supposé sortir bientôt aussi. Donc, ce serait cool de le voir. Mais là, je pense que ça ferait beaucoup. Mais si on peut le voir lui aussi, ce serait cool. Bah, ouais. Un beau jeu tactique. D'ailleurs, je crois que t'es un peu plus réceptive maintenant au jeu tactique depuis que t'as fait. Oui. Un jeu tactique que t'avais fait, que t'avais aimé, je crois que c'était Gears Tactique en fait. Gears Tactique, ah, oui, voilà. Et Mario les Lapins Crétins. Oui, je pense voilà. C'est Mario je et les Lapins Crétins qui m'ont fait aimer les tactiques. C'est Gears Tactique, voilà. C'était vraiment très, 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 très bon. Excellent jeu, je me suis régalée. Voilà. Bah donc à voir, il peut y avoir de très belles annonces. Mais en gros, je pense que demain, on peut quand même s'attendre à du Square, peut-être donc du FF16 et peut-être effectivement. Peut-être voir du Forspoken, mais que ce soit peut-être décalé, je sais pas. Vous en pensez quoi? On en a pas trop parlé de Forspoken. Vous pensez que ça peut être vraiment décalé pour laisser un petit peu la place justement à FF16? Nimeko, t'as pas l'air convaincu. Bah après c'est un peu pareil, je trouve que c'est un peu comme Evil Inside, là je sais plus quoi. The Evil Inside, je sais plus quoi là, ce jeu de merde là. Non mais il y a eu déjà des gros focus dessus. Le truc là, bon. Non parce qu'en plus c'est un jeu que j'adore. Mais... Hein. Ouais, la DA elle est dingue. Mais non, mais c'est pour dire qu'il y a eu déjà beaucoup de focus dessus. Qu'est-ce que tu veux montrer davantage qui serait pertinent en fait? Qu'est-ce qui. Parce qu'en fait, si tu reparles 30 minutes pour montrer des choses qu'on a déjà vues, finalement, tu vas avoir quoi dans 10 minutes de choses intéressantes? C'est ça le truc. Ah bah, je suis d'accord avec toi. Alors après, là, c'est parce qu'on fait notre conférence idéale, donc on voudrait qu'on ait 30 minutes que de choses exceptionnelles et de nouveautés. Enfin voilà, c'est normal. Oui, mais... voilà. Et... Ah. Vas-y. Mais c'est vrai que du Hogwarts, on a déjà vu beaucoup, honnêtement, on a déjà vu beaucoup. Ils ont même fait des segments exclusifs. Dessus. Ah, mais là, tu parles de Hogwarts, là, on parle de Forspoken. Forspoken, exactement. Forspoken. Voilà. Du coup. Ça n'est pas très grave, il a abusé du vin de messe. Ça n'est pas ouais, absolument coup, d'accord, Force Mario. Forspoken, ça marche aussi, honnêtement. Ils ont fait aussi pas mal de focus. Et en plus, le jeu a été retardé. Et du coup, comme on disait, je pense que c'est pour laisser de la place à une autre communication. Et donc, tu penses que là, il va être vraiment purement, enfin, vraiment retardé, c'est-à-dire qu'il arrivera beaucoup plus tard, en 2023, par exemple? Ouais, je pense. Parce que là, parce qu'en plus, honnêtement, il n'y a pas la hype qu'il voudrait, je pense, sur le titre en plus. C'est malheureux, mais c'est vrai. Hein. Ouais. C'est pas le bon moment. Parce qu'à la base, il doit sortir quand? En octobre, c'est ça? Là maintenant. Normalement, c'était vers la rentrée. Ouais, voilà, bah pour moi, ils vont le décaler. Hein. Parce qu'en fait, quand ils avaient annoncé la toute première fois dans les trailers de lancement de la PlayStation 5, c'était parmi des séquences qu'on voyait, le personnage il sautait partout, machin. C'était très, très rapide, très, très beau. Non, mais c'était juste des notes d'attention, mais déjà c'était très. Voilà, là ça donnait envie. Et après, quand ils ont montré un peu plus, avec le lore, un petit peu plus de narration et tout, finalement c'est un peu retombé, je trouve. C'est un peu essoufflé. Et je pense qu'ils voient bien que la hype n'est pas trop là, même si ça a l'air cool. Il y a des choses qui ont l'air cool, mais ça a l'air un peu encore assez nébuleux. Il manque des choses. On ne sait pas trop sur quoi ils vont. Enfin voilà, il manque des. Ça il patouille un peu, quoi. Ouais, il... ça a l'air de tourner un peu en rond de ce qu'ils nous montrent. Ça n'a pas l'air complètement fini, honnêtement. Il manque la petite chose la petite étincelle, je trouve. Mais du coup, je pense que voilà, ils se sont dit, on va rétro-pédaler un petit peu, se calmer un peu dessus, faire le focus sur FF16, qui est très attendu, lui, pour le coup. Et ce jeu-là, le mettre un peu de côté, le peaufiner et le ressortir. Je suis assez d'accord avec toi. Plus tard. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont le faire. Ouais, mais non, mais je suis d'accord assez aussi, d'accord avec toi. Oui, Raph. J'allais dire oui, parce que moi, Forspoken, c'est une nouvelle licence, mais c'est un truc qui m'intéresse parce que ça me rappelle le jeu Primal sur PS et j'avais adoré Primal. Il y a un petit côté là, et puis le mélange un peu occident et japonais pour Forspoken dans le staff, dans l'écriture et tout, je trouve que ça pourrait être très intéressant de voir un peu
qui peuvent amener à Forspoken. Après, de ce que j'ai vu, je me rappelle de ta preview aussi, ça m'avait un peu déhypé, tu vois, parce que... Moi, j'avais bien aimé, mais je comprends un peu, peut-être un peu vidos, un peu terne. Voilà, c'est ce que, dit Nimeco. Pas autant de ce qu'on a pu voir de Sonic Frontières il y a quelques heures. Exactement. En vrai, c'est un peu le même truc. On a l'impression que c'est pas fini, en fait. Ça donne un peu cet effet-là, ouais. Et je vais juste souligner un truc, c'est qu'en fait, moi, en général, avec les jeux avec des persos féminins de nos jours, ça ne me va pas du tout, parce qu'à chaque fois, c'est écrit tout pareil. Mais là, pour le coup, avec elle, déjà l'actrice, j'adore son voice acting, j'adore sa voix, elle est géniale. Et de ce que j'ai vu, même si je sais, graphiquement, on peut toujours améliorer les choses, mais de ce que j'ai vu, elle en jette, elle est charismatique de ouf. Et donc, ça me va d'avoir un personnage féminin qui me dit « Ah ouais, ok, cool, ça, c'est cool, j'ai l'impression de retrouver... » un peu les personnages féminins d'antan qui me hypaient à l'époque. Hein. Donc du coup, maintenant avec un personnage comme ça, ça pourrait vraiment donner un super jeu. Donc pour l'instant, ma hype est toujours présente, mais de ce que j'ai vu du jeu lui-même, du gameplay, j'adore la magie, les effets que ça avait. Et tu sais, moi j'adore jouer magie. Donc pour le coup, il y a des bonnes choses, mais c'est juste le côté un peu vide qui fait et que... Et pourtant, visuellement, c'est ultra beau, ultra fini. Ouais, c'est très beau. Hein. Oui, c'est joli. En fait, c'est ça, c'est qu'on se dit que en fait, le moteur, enfin, tout marche très très bien. Il y a la distance d'affichage, elle est très très bonne, c'est rapide, c'est nerveux. Mais il manque des choses, tu vois. Il manque une personnalité, peut-être. Comme tu dis, le personnage a l'air ultra bien écrit, très bien travaillé. Même visuellement, il est très très bon. Il y a un truc qu'on voit bien qu'il y a un parti, il y a une direction qui marche bien. Et il y a un truc, il manque la petite truc qui, en plus, qui fasse « Ah tiens !» En fait, il y a un côté trop générique dans tout ça. C'est ça qui est paradoxal. Alors pourtant, oui, oui, alors qu'il y a une identité quand même. Oui, et qu'on sent qu'ils ont fait des choses. C'est bizarre. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Ça se noie un petit peu dans un patchwork FFS, entre guillemets, enfin Square. Et à la fois, quand effectivement tu regardes un petit peu les previews qu'on a pu faire, on a vu qu'il y aurait plein de possibilités, tu vas pouvoir personnaliser voilà, jusqu'aux ongles, etc. Donc, quelque part, c'est assez, il y a cette dualité. Et après, ça serait bien, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Tio, toi, hypé par Forspoken, tu penses qu'il va être décalé? Tu penses qu'on va le voir demain ou pas? Bah, de toute façon, ouais, ce que j'ai écouté, moi, d'après ce qu'il y a eu comme rumeur, qui voulait vraiment mettre en avant FF16, parce que Forspoken, à mon avis, pour moi, n'est pas encore prêt. Je pense que c'est pour ça qu'ils veulent vraiment l'écarter, c'est qu'ils sont pas encore finis de le développer, c'est tout. Parce qu'on y a vu, même moi, j'ai vu, l'univers était assez dingue, mais quand j'ai vu les visages des PNJ, j'ai trouvé ça que ça faisait pas PS5. Alors que c'est vraiment exploité que pour la PS5, ce jeu. Donc t'as un peu peur au début, donc moi, je pense qu'ils ont vu les critiques, parce qu'il y a quand même des petites critiques, hein, sur ça. Hein. Ils ont dû se dire que voilà, c'est pas prêt, que FF16 est peut-être en avance par rapport à Forspoken et qu'ils veulent du coup mettre en avant FF16 qui est plus attendu côté joueur que Forspoken. Donc moi je trouve que c'est une bonne décision qu'ils ont fait, peut-être avantager les joueurs en mettant du FF16 qui est peut-être plus abouti que Forspoken, et puis mettre Forspoken un peu plus tard en fin 2023, même début 2024. De toute façon, ça va être chargé aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de jeux qui ont été décalés. On ne parle pas, par exemple, de God of War, parce qu'on va être... on sait que God of War, c'est du first party, donc on ne le verra certainement pas demain. Mais ça va être quand même... ça va être la fin d'année 2022, va être chargé de toute façon. Alors, effectivement, il faut peut-être faire un petit peu de place. Et du côté de Square Enix, il y a des priorités, donc prioriser avec du FF16, qui est quand même beaucoup plus attendu, oui, parce que c'est une licence installée. Oui. Raphaël, je te sens complètement fou. Oui. Mais oui, absolument, FF16, c'est la vie, hein, FF. Et en plus, ce FF, je le dis, je le répète, mais ce FF va être différent. Mais vraiment pour ceux, par exemple, qui n'ont jamais fait de FF, etc., qui même ont passé à côté du remake, FF7 Remake, pour le coup, ça pourrait être un FF qui va vraiment appâter un nouveau public, et c'est ce que j'espère. Moi, ce que j'aime dans les nouveaux épisodes d'une licence, c'est que t'as un nouveau public qui peut être appâté par ce que tu proposes. Et là, pour le coup, s'il y a un nouveau public qui va découvrir le monde Final Fantasy, ben moi, je suis pour. J'ai envie d'un nouveau public, j'ai envie qu'il découvre un peu ce que c'est que le monde FF, les chocobos, les gears, oui, etc. Toutes ces choses-là, moi, je kifferais de ouf, parce que ça voudrait dire une nouvelle richesse pour la licence. Et après, de tout ce que j'entends sur FF16, déjà, on le sent, hein, tu le sens dans les paroles des producteurs, des réalisateurs et tout, qu'ils veulent vraiment taper fort avec ce FF. Je pense qu'ils mettent vraiment beaucoup, beaucoup dedans, que son niveau scénaristique, on le voit, tu as mis la bande-annonce à l'écran, tout à fait, avec le sang,
le côté un peu plus mature, ça a l'air cette histoire un peu tragédie. Ouais. Oui, c'est toujours tragédie entre les deux personnages principaux. On ne sait pas encore c'est quoi leur relation, quelle va être un peu dans le sens, est-ce qu'ils vont être ennemis, frenemies, est-ce que ce sont des frères qui se sont retournés l'un contre l'autre, est-ce qu'il y aura vraiment cette espèce de dualité entre les deux, ce genre de choses. Et on sait que avec FF, les antagonistes sont souvent très iconiques, hein, s'ils sont bien écrits. On pense notamment à Sephiroth, même Ardyn hein, dans FF15, que je trouve super réussi comme, cool, comme antagoniste. Ardyn, c'est un peu le comment il s'appelle dans Resident Evil Village, c'est un peu Heisenberg, oui, je trouve. Oui, c'est un peu ça. Oui, tu vois le délire de personnalité, ouais. Je trouve ça très très cool. Et donc pour moi, FF16, vraiment, ça a vraiment ce côté. Un renouveau, si tu veux, c'est vraiment un renouveau pour la licence, un vent de fraîcheur. Donc du coup, c'est pour ça que ça m'arrive encore plus que d'habitude pour ce FF. Je m'attends vraiment à beaucoup. Je sais, je m'arrive beaucoup et je m'en fous. Hein. Je m'arrive comme je veux avec FF, parce que Dragon Age, j'imagine des monts et merveilles. Le seul truc que j'ai envie qu'ils ont, sur lequel ils bossent, c'est, on le voit à l'écran, le Clive, quand on est dans la première version soldat dans le château, il est stylé. Mais celui d'après qui vieillit, je trouve qu'il est un peu trop générique. J'ai envie que, j'espère qu'ils vont retourner un peu le visage et tout. Parce que je trouve que c'est un peu générique. Mais bon, après, c'est qu'un premier trailer, ils ont dû bosser dessus depuis. Non, mais complètement. Et c'est vrai que le côté Noctis dans FF15, quand il vieillit à la fin il est toujours aussi beau, du hein. jeu, jeune c'était beau, très... Beau, ah ben moi, je le préfère vieilli d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, je trouve que la fin, c'est vraiment, ça monte en... Moi, comme on dit toujours avec Julien, il ne faut pas manquer son entrée ni sa sortie. L'entrée était cool et la fin de FF15, c'est absolument incroyable. Magnifique. Bon, après, effectivement, c'est un peu en entonnoir, la fin, c'est un peu couloir. C'est un peu dommage, mais moi, j'avais beaucoup aimé. Ah, j'ai adoré FF15. Ouais, adoré. C'est un jeu, c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. J'en ai marre des gens qui m'envoient des messages sur Discord. La prochaine fois, j'enclencherai le mode streamer, bien évidemment. Vous en foutez de ce que je raconte, ça n'est pas très grave, je précise, parce que j'entends les petits bruits. Et ça m'énerve un petit peu. Voilà, Ptio. Il est cross-gen, le FF16, je ne me rappelle plus. Non. Alors, qu'il est full next-gen. Hein. Next-gen, il est PS5 à la fin, oui. Ouais, complètement. Il sera sur PC plus tard, mais après, PS5. Après, je pense, puisqu'on parle de cross-gen, next-gen, je pense qu'on va quand même avoir de moins en moins de jeux cross-gen, évidemment. Mm. Mais je pense que pour RE, ça va rester cross-gen, je pense. Je ne les vois pas s'asseoir sur le parc de consoles. Je pense qu'ils vont continuer sur ça. D'autant que si, là, ils vont nous sortir les DLC. On est sur du village. On est encore sur du cross-gen. La VR, bon, c'est autre chose. Moi, je pense que RE4, je le vois sortir... Début 2023, en tout cas première moitié 2023, il y a eu beaucoup de changements hein, dans la meuf qui a été vue intelligemment, qui est revenue sur RE4 quand même, hein, parce qu'il faut le faire. Hein, je sais. C'est brillant, je sais. Faut que je les Zelda dans le truc et c'est bon. bien évidemment. Mais je les vois rester quand même, effectivement, Capcom, je les connais un petit peu rester sur du cross-gen et je comprends totalement l'idée pour l'instant. Je pense que le prochain Resident, RE9, peut-être sera full, très probablement full next-gen. On verra. Je pense que ce sera du sûr, mais on a encore du temps. Alors, Ryazuki, tu poses une question intéressante. On n'a pas parlé de Silent Hill ou encore MGS. Je crois davantage à du Silent Hill 2, en tout cas à court terme, que du MGS Remake. On a vu que Bloober Team serait présent lors de la Summer Game Fest. Moi, j'adorerais hein, qu'il soit demain sur le State of Play, mais je ne pense pas qu'il mettrait en compétition RE Silent Hill, parce que même si ce n'est pas la même peur, on ne va pas partir dans les trucs... mais bon, fatalement, c'est comparé. Est-ce que vous pensez, contrairement à moi, que ça peut être montré demain soir au State of Play, ce prétendu remake de Silent Hill 2 développé? Alors, il y aurait plusieurs jeux en préparation du côté de Silent Hill, mais ce remake préparé par Bloober Team, gros fan hein, quand même de Silent Hill, ils sont derrière The Medium, Layers of Fear, ils nous ont fait aussi La Forêt, Blair Witch. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait le voir? Ouais, bah, chercher, c'est Blair Witch. Il fallait que je me mette le mot, tu sais, les mots. La forêt, c'est Blair Witch, c'est ça, c'est la sorcière. Est-ce que vous pensez qu'on peut le voir? Belle chute, hein, Elendil. Bien évidemment, vous êtes bien évidemment, comme dans Sekiro, on chute, on rechute et on fait la parade et on repart. Nimeko, Ptio, Raph, qui vous voulez?
Je mets pas d'image parce que je veux pas me faire striker avec Silent Hill, c'est toujours la même chose. Oui, vaut mieux pas. Hein. Moi, je pense pas. Je pense que ça, c'est partie aussi des grosses cartouches que Sony pourrait se garder pour justement un plus gros événement d'une heure et demie, justement plus dans la vibe avec les éditeurs perso à eux, avec du. Ouais. Donc non, je pense pas, parce que comme on l'a dit déjà s'ils annoncent tout ce qu'on a dit avant, ce serait déjà une bonne conférence. Ouais, donc je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça en soi. Et puis non, je pense que ça, c'est parti des... Je ne vais pas dire une arlésienne non plus, mais presque quand même, Silent Hill, oui. Avec les déboires qu'il y a eu, avec les annulations, les machins, les matins, les plusieurs studios dessus et tout. Donc tu sais, c'est tellement attendu que ça peut tellement être le one more thing ou le truc qui fait « Waouh !» et qu'on retient la conférence que sur ça. Non. Donc non, je pense pas. Je pense que ça, ils vont le garder pour un événement que à eux. Et je pense pas qu'on l'aura demain, honnêtement. D'accord, ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, laisser la place à Resident Evil. Oui, voilà, exactement. Tout simplement, Raph, ouais. Dire aussi, hein. Ouais, j'allais dire, parce que ce serait comme FF16 et Forspoken, tu mets pas les deux choses qui pourraient se contrecarrer. Et là, avec Resident Evil, je pense que c'est aussi, on a, et je suis sûr qu'on aura Resident Evil demain, mettre Silent Hill, ce serait une erreur, je pense. Donc, je pense pas que tu auras Silent Hill demain, mais comme l'a dit Nimeko, je vois plus un truc genre où tu auras Jim Ryan qui va être sur la scène, qui va parler de PlayStation et tout, et là, tu auras Silent Hill dans le package, parce que c'est un gros truc, c'est pas une, ça aura l'effet d'une bombe, tu vois, même si, bon, c'est un secret de Polichinelle que... Ça fait un peu comme le RE7 remake, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est, ouais. C'est un truc que tu vas lancer sur en grande pompe. C'est pas un truc que tu lances sur un state of play, je pense. Tout simplement. Thio, t'es d'accord ? Ah oui, tout à fait d'accord avec Nimeko et Raph. Ouais, c'est trop gros pour que ça soit dans un state of play. Et puis ça prendrait le dessus sur un Resident Evil. Donc c'est... Je pense qu'ils y gardent pour vraiment une grosse conférence. On est d'accord. Alors, Bloober Team, hein, partenaire effectivement de la Summer Game Fest, donc on s'attend bien sûr à avoir quelque chose. Moi, je suis... Je mettrai pas ma main à couper comme je la mettrai demain pour RE, mais arrêtez de m'envoyer des messages sur Discord, c'est pas possible. Il y a des gens qui m'envoient des messages, je vais les bloquer. Doudou, c'est chiant, quoi, je veux dire. Mais je pense qu'on aura dans cette Summer Game Fest, pour les gens qui découvrent la chaîne, ils vont se dire, elle est complètement starvée, cette gonzesse. Mais oui, je pense qu'on aura une annonce pendant cette Summer Game Fest, parce qu'il va y avoir, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plus en plus de trucs qui se greffent. Il va y avoir énormément de contenu. On va vivre ça évidemment. Car au jus, ça va être très très dense. Captain qui nous dit, j'y crois pas. En tout cas pour demain soir, si je ne m'abuse, hein, Captain, ça a l'air d'être un partenariat Konami Bloober, donc multi à mon avis. Donc au show de Geoff Keighley, hein, qui se tiendra le 9 au soir, si je ne m'abuse, ce sera à 19h, 20h, il me semble. Ce qui ne veut pas dire qu'un Silent Hill exclu PS n'est pas en développement. Selon les rumeurs, ce Silent Hill, ce remake de Silent Hill 2, ce serait une exclue au moins temporaire PlayStation. Donc à voir. Voilà, oui, j'en ai marre de Discord. Bon, ben on verra, parce que c'est quand même aussi l'une des grosses attentes Silent Hill. Effectivement, en termes de nouveau jeu de Kojima. Ouais, Kojima, je pense qu'on a tous compris qu'il est sur Death Stranding 2. Bien lui, évidemment. Ça sera bien un événement de la joie. C'est sûr. Ah bah lui, il l'a dit. Hein. Il a dit qu'il reviendra au Summer Game Fest pour présenter son nouveau jeu. Il l'a dit. Hein. Bah de toute façon, le lancement, entre guillemets, enfin, il y a PlayStation avant, mais je pense que PlayStation, enfin, je sais pas comment vous l'imaginez, mais j'imagine qu'ils sont arrivés en disant on fait un State of Play, et que du coup, Geoff, il a dit bon, vas-y, on l'intègre et tout, parce que ça vient quand même un peu, ils viennent couper un petit peu l'herbe sous le pied de tout le monde. Hein, ouais. Ils arrivent genre une semaine avant, vas-y, on fait notre State of Play à minuit, parce que c'est une bonne heure, minuit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. En tout cas, pour nous, ça fait un petit peu tard, mais ça n'est pas très grave, c'est l'heure du Survival Horror, justement, je trouve que c'est très très cool. Mais oui, les événements, c'est comme hein, les Game of the Year, enfin, je veux dire, les Game Awards, le lancement de la Summer Game Fest, c'est le gros event. Geoff Keighley met toujours du très très lourd au programme. Donc à mon avis, on aura aussi beaucoup de choses gardées aussi pour cet événement. C'est pour ça que je pense qu'il y aura peut-être de plus grosses cartouches. Nimeko, ouais, c'est possible. Moi, je pense que ça va être vraiment un petit peu du PlayStation VR 2, mais qu'on va voir quelques jeux en développement. Mais que ça va pas être énorme. Moi, je pense que la grosse partie, ça va être éditeur tiers. Je pense que la grosse partie va être Capcom et éventuellement Square Enix. Ah après, ouais, n'oublions pas, on l'a dit en début de show, qu'il y aurait peut-être cette rumeur d'un événement spécial, justement, Square, mois de juin. Devant les PSVR aussi, donc il faut quand même un focus dessus. Il faut un focus dessus, mais il faut aussi qu'il y ait les jeux qui suivent. Qu'ils peuvent tout montrer? Parce que là, ils l'ont dit, hein, ils ont dit des jeux en développement. Ouais, petit yo. Il peut y avoir des surprises qu'on connaît pas non plus. Hein.
et des surprises qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a Zelda, toujours des surprises. Évidemment, j'allais dire Zelda avec Chris Redfield qui reprend le flambeau dans Hyrule, parce que bon, bah, c'est le bordel, quoi. Voilà, bien évidemment. Ada qui devient... C'est ça, Ada qui devient Zelda, on ne sait pas pourquoi. Et Erwan voilà. qui nous dit du Kojima au Summer Game Fest, je suis en joie. Et Erwan God, évidemment, tout le monde est en joie quand il s'agit de Kojima. Qu'est-ce qu'il nous dit, Mister Pixel? Parce que je vois Captain Ichiro en train de chauffer Mister Pixel, on remonte, il s'est caché, il doit être par là. T'es où Mister Pixel? Voilà, 23h59, attention. Mais c'est vrai qu'ils sont très très... ils sont totalement... Mais c'est toi qui dis ça en fait, parce qu'en fait c'est, ouais. c'est un problème que beaucoup de gens ont. Je sais pas si vous avez déjà eu ça quand oui. vous allez à l'aéroport. Quand il y a des billets qui sont à minuit, les gens sont confus parce qu'ils savent pas si ils c'est le jour même ou le lendemain. C'est... Ben, c'est ça. Voilà, exactement. Donc 23h59, je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça, les gens vont pas être confus. Mais c'est vrai, ah c'est non, pas clair, donc hein. C'est ouais. pas clair. Donc du coup, 23h59, c'est mieux. Là, donc, tu sais c'est que c'est fait. Demain soir, mais qu'effectivement, si ça dure une demi-heure, ça va finir vendredi matin. Et dites-vous voilà. que ça va durer même bien plus tard, puisque derrière, dites-vous qu'on va débriefer et que s'il y a du RE4, évidemment que ça va être des vidéos dédiées. Évidemment, on va refaire RE4 pour la 500e fois sur ma chaîne. Bien évidemment, pour se préparer voilà, à tout cela. Mais ce qui est cool, c'est que si demain, il y a RE4... qui est présenté. Alors j'attends aussi les DLC de Village parce que voilà, les versions aussi next-gen, enfin next-gen. Imagine ils dropent une démo après comme ils aiment bien faire. Ah ben je pète un câble là, je pense pas. Parce que c'est je vrai pense que eux, c'est les spécialistes de ça. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est plutôt là, ça va être un teaser et qu'on aura le jeu avec peut-être une date de sortie ou une période de sortie et que ce sera pas tout de suite. Néanmoins, ça veut dire que... Mais quand je vois le nombre de vidéos sur les bruits de couloir, les rumeurs que j'ai pu faire sur ma chaîne, parce que bah, c'est mon jeu, c'est vraiment mon jeu. Limite, je pense que je peux le mettre avant Ocarina of Time, ce qui est quand même ouf. C'est vraiment Carrément. Ah ouais, okay. C'est mon jeu de cœur, hein, même si Ocarina en dézoomant est meilleur que RE4. Mais j'espère vraiment que ça va être un truc de fou. Donc on va finir très très tard, bien évidemment. Mister Pixel qui dit d'ailleurs pour un State of Play, c'est plus tard que d'habitude, normalement c'est 22h effectivement, comme s'il voulait être plus en phase avec le fusil, et pas le fusil. C'est peut-être un jeu de mots que tu veux faire, Mister Pixel, le fusil horaire japonais. On connaissait pas, il y a un fusil horaire. Selon l'horaire, ils prennent une arme. Voilà, il y a le vendeur. Welcome. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du vendeur, mais j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça pourra donner. En mode remake, le vendeur, ça c'est quelque chose aussi que j'attends, et c'était aussi une des nouveautés. On parlait tout à l'heure de RE4, tu posais la question au Raph, les différences, ouais. C'est qu'il y avait cette notion de vendeur aussi, ouais. Le côté un peu, comme tu as dit, un peu RPG mécanique, etc. C'est ça. C'est amélioration des fusils, etc. Donc beaucoup, moi qui a fait Village, beaucoup ça me rappelle justement, ça me rappelait Village plus que l'inverse. Je pense que c'est le bon client du remake. Ah, moi je oui, pense que oui, hein. Honnêtement je pense que oui, hein. Oui, parce que si ça ressemble à Village déjà dans l'ambiance, dans la vidéo que tu as montré et tout, avec le château, etc., donc ça va être plutôt cool, parce que moi j'ai adoré l'ambiance de RE Village, et puis c'est Leon Kennedy, donc forcément déjà c'est gagné avec lui, c'est un beau gosse, donc pas de problème avec le perso principal. Alors donc après, ça attention, hein, on va voir ce qu'ils en ont fait. Mais moi, alors après, je vous ai fait il n'y a pas si longtemps pas de malheur, Caro. Un original pas de malheur, concept, Caro. Bien évidemment, de RE4. Oui, je sais. Je vous ai fait un original concept, voilà, pour vous montrer un petit peu. Je vous avais aussi montré un développeur, un modder, qui avait fait un Resident Evil 4 remake en vue subjective, qui est de toute beauté, hein, je vous le remontre là. Je pense... Je suis intimement convaincue qu'ils vont garder la vue à la troisième personne pour ceux qui se posent la question. Oui. Après, voilà. Non, j'ai mieux compris ça pour Léon, évidemment. Quand tu joues un Ethan, t'as pas forcément, t'en fous de pas voir le personnage. Par contre, voilà, je vous avais mis ça. Attendez, je vous mets la. Surtout qu'ils ont sorti le VR à côté, c'est pour ça ils vont pas faire deux fois le. Bah, disons que quand tu regardes, attention, j'avais mis des images en fin de Resident Evil, le mag. Ouais, je vous avais mis des petites images. Ouais, attention, hein, ça envoie du très très lourd ce que vous voyez là. Hein. Oh là là, j'avais pas. Attendez, ouais, j'en avais. Voilà, j'avais mis là. Regardez. Ça envoie, on va le mettre là. J'avais mis du très... Je trouve que ça envoie du très très lourd, mais je pense pas qu'ils vont aller sur la VR. Mais imaginez quand même, en plus, cette séquence-là, cette séquence quand t'arrives dans le labo. Alors, selon les rumeurs, la dernière partie, d'ailleurs, ce serait un petit peu moins l'île militaire, et ce serait vraiment un labo, un très très grand labo. Enfin, la zone du labo aurait été agrandie. Bref, je repars trop sur Resident Evil, je sais. Mais c'est pas spoiler, Raphaël. Oui, il voilà, faut pas me spoiler comme on m'avait spoilé Village à un moment donné. En tout cas,
Au niveau donc des attentes, on va refaire rapidement un petit tour de table. On est d'accord que demain, on aimerait voir du FF16, du RE et éventuellement du Fumito Ueda. On refait un petit tour de table. Du coup, Nimeko, toi, vraiment du Fumito Ueda éventuellement. Oui, bah, ça serait le petit rêve, quoi, on va dire, en soi, avec même du, comme on disait, FF9 et tout. Mais bon, même si je n'y crois pas, hein, c'est les 2-3% dans ma tête que voilà. C'est ta wishlist, quoi. C'est ça, voilà, ça j'aimerais bien. Mais sinon, pour le reste, oui, j'ai hâte de voir, des, comme on l'a dit, pour résumer, des très bonnes expériences PSVR pour m'inciter à acheter du coup l'appareil, voir si voilà, s'il y a vraiment une plus-value de fou. Déjà, le côté télé, le fait qu'on voit plus les doigts et tout, ça me hype beaucoup. Donc oui. J'ai envie de voir après les utilisations en jeu, parce que du coup, ça va rendre les univers beaucoup plus immersifs, beaucoup plus d'interactions et tout, donc ça, voilà. Ça, c'est quand même une grosse attente. J'ai vraiment hâte de voir parce que là, on va quand même avoir un nouvel hardware et tout. Donc, c'est quand même cool, honnêtement. On minimise un peu le truc en soi parce que c'est vrai qu'on dit ouais, PSVR 2, mais en soi, c'est quand même un gros truc qui va arriver. Donc, j'ai quand même envie d'en voir avec voilà, les grosses cartouches qui vont inciter à l'achat. Et à côté, bah, comme on l'a dit, dans ce qu'on est presque sûr qu'il va être présent et que j'ai très envie de voir, bah, FF16, honnêtement, comme on l'a mentionné. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Raphaël, le virage avec les combats beaucoup plus dynamique à la FF7 Remake, moi ça m'a beaucoup plu. Donc là, on voit que c'est encore plus virevoltant, encore plus open, même à la Witcher. C'est vrai qu'il y a un petit côté Witcher même dans les mécaniques et tout. Donc, ouais, j'ai très hâte de voir FF16 ouais. Et puis le reste, bah oui, RE aussi. C'est vrai que RE4, ça serait trop bien qu'il arrive, enfin, qu'on ait du visuel en tout cas sur le titre. Mais voilà, honnêtement, finalement, après ces 2 heures là à échanger, je me suis rendu compte que c'est vrai qu'en fait, j'attendais pas plus que ça, mais en fait, là, en reparlant, j'ai très envie de voir le côté hardware du PlayStation VR et voir vraiment les cartouches qui vont sortir pour inciter les gens à l'acheter. Quoi. Ouais, très, 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 très clairement. Toi, petit yo, je pense que c'est un petit peu comme nous, mais toi, tu te hype un peu moins. Ouais, bah c'est que à chaque fois j'ai été quand tu te hype trop, t'en veux trop et puis en fin de compte t'es déçu à la fin et j'aime pas ça donc là je me hype pas trop. Après s'il y a du FF16, du RE4 remake et des petites surprises qu'on connaît pas, ouais ça peut être un bon petit state of play. Ça me paraît bizarre que ça ait été fait au dernier moment comme ça donc j'espère oui. Que c'est pas un pétard mouillé comme on dit. Ouais, donc on verra, mais ouais, très hâte de suivre ça en cœur au jus, et puis on va kiffer. On va kiffer grave, de toute façon on se fait un gros pré-show demain évidemment, hein. On va avoir le temps d'en reparler, on va laisser un petit peu infuser tout ça. Raph, évidemment, toi, ah. Besoin de te le demander, tu veux du beau gosse, tu veux du FF, et puis voilà. Absolument, écoute, moi, au contraire de Ptio, hein, que j'adore, moi, je me hype comme un malade parce que je veux voir mon FF16. Je veux voir des belles choses, des trucs surprenants, mais surtout FF. Pitié, PlayStation, montrez du FF parce que j'en peux plus, j'ai envie d'en voir plus. Et j'adore, c'est un jeu que j'attends tellement, Macaro, c'est Final Fantasy et Dragon Age, les deux licences RPG que je kiffe le plus au monde. Donc du coup, évidemment, si je peux avoir du nouveau FF, tant mieux. Et FF16, ça me vend tellement du rêve avec le staff qui bosse dessus, le producteur, le réalisateur, ceux qui écrivent le scénario, qui ont bossé sur FF14, qui est une pépite, qui est un masterpiece de MMORPG avec une histoire de ouf. Alors s'ils peuvent donner un minimum, rien que ça sur FF16, mais ça va être trop ouf. Et le gameplay, comme l'a souligné Nimeko, un peu plus action RPG, alors que bon, moi j'adore le tout partout, moi je suis fan de tout partout, mais action RPG j'aime aussi beaucoup, et ce style un peu Witcher, Devil May Cry dans le gameplay, mais ça vend du rêve aussi. Donc franchement, je suis tellement hypé pour FF16, c'est vraiment la plus grosse attente que j'ai. Après, s'il n'y a pas FF16, je serai évidemment déçu, très très déçu, mais je ne veux pas crier. Je quitterai ce monde. je casserai des vitres. Non, mais bon, voilà, bon, j'attends FF16. Après, mon autre attente, Hogwarts Legacy, évidemment, j'aimerais bien en voir, mais comme l'a dit Nimeko, on a déjà vu beaucoup, donc je ne sais pas si on verra encore plus davantage chez Hogwarts, mais évidemment, ça me ferait plaisir. Et pour Resident Evil, évidemment, moi, je suis team Ethan Winters. Hein, moi, je l'adore, moi, Ethan. Même si je suis le seul mec au monde qui adore Ethan Winters, Ethan, bah, écoute, je l'adore, moi, oui. Ethan. C'est un personnage tellement tragique, il m'a fait pleurer, donc franchement, de pouvoir le rejouer avec lui, ce serait génial. Et puis évidemment, revoir Leon Kennedy, hein, remake, le beau gosse de Resident Evil, donc ça me ferait super plaisir aussi. Donc pour moi, vraiment, j'ai déjà résumé, réalistiquement parlant, FF16 et Resident Evil Village, vraiment, c'est les deux trucs que j'attends le plus.
avec évidemment RE4 Remake, voir un peu ce que ça va donner. PSVR 2, je suis curieux, vraiment, j'adore la voilà, technologie. Voilà, t'es le seul un peu... Captain Ichiro, je peux ban aussi la personne pénible de ton Discord. Non, mais j'ai essayé d'empêcher les gens. Il y a plein de gens pénibles hein, ce soir. Non, mais c'est parce que je crois que c'est Darka qui balance des trucs sur GTRP, je suis pas sûre. Enfin bref. Mais t'es le seul qui parle du PlayStation VR dans notre petit panel, finalement. Mais c'est tellement fascinant comme technologie, oui. Vraiment. Et je crois que Nimeko l'a souligné aussi. C'est quand même VR 2, c'est pas la première fois, donc ça veut dire vraiment que PlayStation là nous dit officiellement on y croit cette technologie, on va continuer à avancer avec ça, et pour le coup on nous prouve en faisant une amélioration de notre PSVR. Donc du coup ça pour moi c'est un truc sur le long terme qui m'intéresse, tu vois. Alors bien oui, peut-être que le PSVR 2 qui va sortir là, peut-être ça peut être le matos que je vais m'acheter pour la PS, je sais pas du tout, hein, je peux pas me pronostiquer sur ça. Ça dépendra des jeux qui vont créer, parce que tout dépend des jeux. Le hardware, je m'en balais un peu, c'est surtout les jeux qui comptent. Mais en tant que technologie, c'est super fascinant la VR. Si quelqu'un fait la VR qui n'a pas la nausée, qui n'a pas le motion sickness, franchement, c'est un truc vraiment ouf. Si tu te perds vraiment dans un monde, c'est un peu le rêve de tout gamer, c'est vraiment oui. D'entrer dans le monde du jeu et être dans le jeu, c'est vraiment, on approche un peu plus de ce but-là. Donc du coup, c'est une technologie qui m'intéresse, donc je suis curieux. Mais c'est surtout sur le long terme. Moi, je vois surtout le long terme dans les années à venir, dans 10 ans. Est-ce que la technologie VR va être ce que c'est maintenant avec la PlayStation 5, avec l'Xbox Series? Ça va être des hardware, des jeux qui vont nous faire rêver d'une façon incroyable. Donc ça me hype un peu pour la technologie. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont montrer, comment ils vont le vendre surtout. Je suis assez c'est d'accord. Le côté marketing, comment ils vont le vendre cette VR2? Est-ce qu'ils vont vraiment miser sur un public niche ou est-ce qu'ils vont vraiment essayer d'appâter ce grand public que tout le monde veut avoir hein, c'est surtout le grand public qu'on veut avoir. Donc ça m'intéresse de voir un peu leur procédé. Mais pour résumer, hein, s'ils ont 29 minutes sur 32 FF16, je serai content. Voilà. Évidemment, laisse un peu de place à Léon, s'il te plaît. Ne sois pas, oui, ne sois pas Léon, égoïste, voilà, bien bon. Évidemment. Voilà. Écoutez, en tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour hein, de nos attentes. On a parlé éditeur tiers, essentiellement, effectivement, Square Capcom. On a parlé un petit peu de, éventuellement du aussi. Hein, on a parlé beaucoup de Resident Evil, mais aussi de Street Fighter, éventuellement. Un petit peu évoqué la réalité virtuelle avec ce qu'on pourrait voir Avatar, ce serait complètement dingue d'avoir effectivement du Avatar, ça s'y prête totalement, peut-être du Call of, on ne sait pas. On a évoqué Bluebird Team effectivement, mais je pense que ce sera plus dans le cœur du Summer Game Fest et pas demain. Tio, ouais. Et j'ai oublié aussi, je veux du Call of Duty du coup, parce que retrouver oui, Captain Price et tout, Captain Price, moi, bien sûr. J'ai hâte. C'est l'un des meilleurs. Donc, c'est Modern Warfare et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup plus de réactions sur un simple teaser que sur toute la com de Vanguard, parce que Vanguard c'est quand même à part Modern Warfare, c'est une marque, tu vois, oui. Donc c'est voilà, c'est comme c'est Black Ops, fort, non, ouais. Voilà, c'est très très fort, c'est très porteur, et je pense que beaucoup de gens, dont moi, hein, attendent. Hein, moi j'ai toujours adoré Call of. Il y a tellement de jeux aujourd'hui que j'ai moins le temps, mais j'ai passé de nuit sur Call of à jouer. Je me souviens, c'était fabuleux. Moi j'ai passé beaucoup de temps sur Modern Warfare 3 justement. En plus, t'avais un bon niveau, hein, Carole. Bah ouais, mais j'ai pas pu. Ouais. Oui, j'étais pas mal parce que je m'étais même acheté un petit écran parce que c'est plus facile. Enfin, c'est mieux pour jouer, pour s'entraîner. Et je me souviens, Modern Warfare sur Ardat ou Bootleg, c'était mes maps. Ça rappellera certainement. Moi, c'est le 2, j'ai beaucoup joué au 2. Le 2 était très bon. Bah, le 2, le 3, franchement, pour moi. Le 2, j'ai beaucoup joué, ouais. Ah, c'était fantastique, quoi. Donc, on était très, très bien. Voilà. Warzone, maintenant. Le. La Warzone, hein, maintenant. Et il y a Warzone, mais c'est moins. Effectivement, c'est moins mon truc, quoi. Donc voili, voilou. En tout cas, on espère avoir tout ça demain, que notre wishlist soit respectée. Donnez-nous du Resident Evil, surtout, s'il vous plaît. Merci. PlayStation, bien évidemment. Alors, plein de choses. Je rappelle, évidemment, les amis, que demain, c'est le State of Play. Donc, on va se retrouver vers 20h30, 21h pour un gros pré-show. Ensuite, on basculera, évidemment, en carreau jus. Et puis, on débriefera de cette grosse soirée. Évidemment, hein, les amis, Ptio, Nimeko, Raph, vous êtes bien évidemment solennellement invité si vous êtes disponible, n'hésitez pas, en tout cas vous aussi les amis, on va passer de très très bons moments ensemble, je l'espère, j'en suis persuadée, parce qu'il y a de grosses conférences qui arrivent derrière. On va avoir du Xbox, on va avoir du
On va avoir du aussi le Tribeca Show qui était plutôt pas mal l'année dernière. Il y a effectivement la cérémonie d'ouverture de Geoff Keighley. Enfin, il va y avoir plein de world premières. Ça va être très très cool. Donc on compte sur vous. Et ce soir, évidemment, c'est une vidéo qui est très appréciée et qu'on a pas mal de personnes qui viennent nous parler dans le chat et sur Discord. Quand c'est pas un, c'est l'autre. Merci en tout cas les garçons d'avoir été avec moi. Merci les modérateurs. Évidemment, Captain David et Hotmail ont eu beaucoup de travail ce soir. Gros soir en perspective. Je rappelle également que donc demain on est aussi en stream et vendredi normalement on continue Sekiro sur lequel on a bien avancé, enfin on va plus lâcher je pense là, et puis la semaine prochaine je vous raconte pas, enfin si je vous raconte ça va être très très bien. Nimeko, on te retrouve sur ta chaîne? Oui, sur ma chaîne Nimeko comme écrit là comme ça. Voilà, c'est ça, vous le voyez derrière, c'est pratique. Et sur Twitter aussi si vous souhaitez, essentiellement ces deux réseaux où j'échange le plus. Donc voilà, vous après pouvoir trouver, c'est tout simple, vous tapez juste Nimeko sur YouTube, sur Instagram, de toute façon il n'y a que moi, donc c'est facile à trouver. Tu es le seul à t'appeler Nimeko, merci beaucoup d'avoir été là. Et merci pour l'invitation, c'était très très cool, très très sympa d'avoir échangé avec le chat, avec tout le monde là, c'était bien. Et puis cool. Suivant les annonces de demain, on verra. Bah tu viens quand tu veux, si tu veux être là demain pour le pré-show, tu es le bienvenu pour le débrief, tout ce que tu veux. Nimeko, allez voir ce qu'il fait sur sa chaîne, c'est super, hyper pertinent, c'est pour ça qu'il est là. Et bah, on l'adore aussi, voilà, bah je t'en prie. Captain qui dit j'ai vidé les munitions, faut que je revoie le vendeur de RE4. Tu as dû rester à un assaut complètement footing de Call of Duty. Ptio, on te retrouve également sur ta chaîne et sur tes réseaux sociaux. Ouais bah pareil, un petit Wayflow moi sur YouTube ou petit Wayflow sur Twitter, voilà, c'est pas compliqué. Et moi ça sera du coup demain Qui veut gagner des millions, ma nouvelle émission avec Pitivier et Papa Jou pour trop atteindre le million. Cool, voilà. Mais trop cool, mmh. Eh ben, on va suivre ça, on partagera, je vous invite évidemment à suivre le copain Ptio qui fait des choses très 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 bien. Et évidemment notre Raph National, suivez-le sur sa chaîne, oui. Sur ses chaînes, il est partout en fait. Il est sur Twitch, il est sur YouTube, il est partout. C'est la voix des beaux gosses et de Ethan Winters aussi. Mais Ethan. Aussi, pour ceux que ça intéresse, qui sont pas super, super calés en Final Fantasy, bah, j'ai fait une vidéo sur Final Fantasy pour les nuls, justement, c'est une série que je fais. Oui. Donc si vous connaissez pas du tout Final Fantasy, n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous parle un peu des Final Fantasy. Je vous conseille même par quel Final Fantasy commencer, dépendant de vos goûts, de ce que vous voulez. C'est une vidéo très complète, donc n'hésitez pas à aller voir... Ben merci, voilà. Merci mon Raph, tu déchires et plein de beaux contenus effectivement sur sa chaîne. Merci à tous d'avoir été avec nous une fois de plus, merci les modérateurs, merci mes petites Madeleine, Crystal, Mélissa, Rudy, Samy, Jrel, Waldo, demain c'est dans quelques minutes, Elendil, mon Elendil aussi, Ryo, Azuki, Crixus, Erwan, Franck, tous les copains, attendez hop, je vais relancer le chat parce que je l'avais laissé derrière, voilà, bien évidemment Nimeko est partout, Pins02, Xanax, Anxiety, j'espère que tu es détendu ce soir, que tu seras détendu demain. Évidemment, David, Hotmail, Captain Nicolas, Mod Milo, Clément, Bart Pablo, tous les nouveaux, les anciens, les abonnés, les non-abonnés. On vous aime, prenez soin de vous et on se retrouve dès demain pour de nouvelles aventures. Plein de bisous et vive le jeu vidéo et vive cette belle période en mode E3 Carojus, ça va faire du bien. Des bisous à tous, ciao, 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 ciao. Et on se quitte évidemment avec la virgule. Bisous, bisous. Voilà. Que c'est beau!